Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Francis. Salut. Je suis Franck Payen, je suis avec vous sur la chaîne YouTube Adobe France et on va être ensemble pour une heure et demie, je pense, à peu près. Je suis aujourd'hui accompagné de Francis Chouquet, que vous connaissez sans doute si vous vous intéressez au lettering, à la typographie, aux typos un petit peu fun et différentes de ce qu'on fait d'habitude. Un peu funky, ouais. Ouais, parce que tu fais des choses à la main. Ouais, exactement. Ouais. Complètement à la main, papier, crayon, et puis de plus en plus sur iPad, on va en parler tout à l'heure. Moi, je t'ai découvert via les amis de FontSelf, dont j'ai déjà parlé pas mal de fois ici avec France, notamment sur ce petit outil qui permet à partir d'Illustrator de créer votre propre typographie. Ouais. C'est des choses que tu fais régulièrement ou de temps en temps seulement ou c'est, De plus en plus régulièrement. En fait, moi j'ai rencontré aussi, enfin j'ai découvert FontSelf il y a 2-3 ans. Et donc on s'est rencontrés, ça a bien accroché, j'ai bossé un peu pour eux cette année. J'ai vu passer des Insta, des stories. On a pas mal travaillé ensemble. Et puis ben, moi j'utilise FontSelf pour mes typos couleurs, principalement, que j'ai commencé et que là je suis en train de terminer. Et donc ils m'ont aussi donné un coup de main là-dessus pour essayer de voir un peu comment améliorer à la fois leur process à eux, et puis c'est intéressant aussi parce qu'ils me demandaient mon retour un peu pour voir ce qui fonctionnait bien, ce qui fonctionnait pas. Donc on aura le temps d'en parler, de montrer un peu comment j'ai travaillé là-dessus. Ah, c'est cool. Mais c'est une super expérience et puis et c'est un super outil quoi. C'est là où je trouve qu'il y a une petite différence entre les outils de création, les outils classiques, tu vois, de création de prise de caractère et FontSelf, c'est que FontSelf, connaissant Glyph, toi d'un côté, qui est un outil de création pure et dure, et FontSelf, je trouve que FontSelf s'adresse super bien aux graphistes de manière générale. D'accord. Ouais. Et surtout si tu veux développer des polices un peu display, donc un peu plus originales. C'est vraiment bien. C'est marrant d'ailleurs que tu dises Glyph s'adresse aux purs et durs, alors que jusque là on disait ouais, les purs et durs ils vont sur Fontographer, sur Fontlab et tout, qui sont encore des outils à un niveau surtout Glyph c'est beaucoup démocratisé et entre guillemets vulgarisé par rapport à ce que faisaient les autres avant quoi. Ouais, donc moi honnêtement il y a certains outils qui sont indispensables. Je travaille sur une police en ce moment où j'utilise Glyph parce que je peux utiliser OpenType de manière assez détaillée avec quelques lignes de code et tout, donc c'est vachement intéressant. Pour des choses comme ce que j'ai fait là avec Farandole, il est clair que FontSelf est 100 fois plus pratique quoi. Et puis je trouve qu'il y a un accompagnement dans le logiciel qui fait que tu galères pas trop à trouver tes marques. Toi tu es resté dans Illustrator, tu balances dans FontSelf. Tandis que dans Glyph, déjà, il faut apprendre à vectoriser de manière différente. Ouais. Donc, la prise en main est beaucoup plus longue. Quoi. Donc voilà. Donc, c'était une super expérience. De pouvoir faire ce projet-là. Ouais. Du coup, on va passer sur le tien, c'est Francis. À quel endroit je vais chercher des infos sur toi? Plutôt Francis ou plutôt ton site Alors, pour l'instant, j'ai envie de dire plutôt le compte Instagram, parce que le portfolio, il n'a pas été mis à jour depuis 2 ans. Ah là là. J'en ai grand honte. Je suis en train de le refaire en fait. Là, il est en cours de. Je suis en train de tout repenser. Donc, je vais rebasculer sur mon nom entier. Donc, ça sera francischouquet.com. Je vais pas fermer, mais je vais rediriger Francis Art vers mon portfolio. Et puis oui. Donc, pour l'instant, c'est vraiment sur Instagram qu'on me suit au quotidien. J'ai aussi l'impression que plus ça va, plus les gens aiment suivre les gens au quotidien plutôt que d'avoir un portfolio qui va être mis à jour tous les 6 mois. Ouais, je pense que toute la partie recherche, toute la partie, peut-être pas errance, mais les tests, les essais, la longueur du process en fait est de plus en plus recherchée. Enfin, il y a un petit côté fétichiste à regarder les gens se galérer eux aussi. Ouais, et puis bon, moi je dessine beaucoup et je poste mes dessins sur mon compte Instagram. Là, j'ai fini un challenge qui a duré 100 jours. Ouais. Et donc je postais tous les jours, que ça soit bien ou pas bien, je postais quoi. Donc
c'était vraiment... Enfin, t'es vraiment à dedans, quoi. Dans le quotidien de mon travail. Contrairement au portfolio où je vais juste mettre déjà les travaux qui m'ont plu. Et puis, je suis assez sélectif, même là, sur la nouvelle version que je vais sortir. Pas la moitié des projets que j'ai fait pour essayer de... Vraiment garder de l'essentiel. Canaliser un peu... ce que j'aime faire, c'est pas forcément les projets que j'ai préférés, c'est peut-être ceux qui correspondent à ce que j'aimerais proposer. Proposer. C'est un truc que j'ai entendu pas mal récemment, c'est justement des gens qui disaient ouais, mais je vais mettre tous mes projets, ah celui-là je l'ai moins aimé, mais on me l'a demandé donc je le fais, mais j'ai moins aimé le faire. Et qui réfléchissaient à c'est idiot, c'est pas toujours sain de proposer des trucs que t'as pas envie de faire. Exactement. Donc c'est ça aussi que je recentre. Mais c'est assez marrant parce que le portfolio, ça a quand même vachement évolué. Moi, je connais j'ai des collègues qui bossent sur... qui ont principalement leurs clients via Instagram, par exemple. Quand tu vas voir le portfolio, t'as quasiment aucun boulot de client. D'accord. T'as quasiment que des choses qu'ils ont mis sur Instagram. Donc finalement, ce qu'ils ont fait sur Instagram attire le client. Mais finalement, ils vont pas forcément ajouter ces projets clients à leur portfolio. Je trouve que ça évolue quand même un peu. Et aussi, d'où viennent les clients évolue aussi pas mal. Donc, c'est toujours bien d'avoir le portfolio. Moi, personnellement, j'essaie de travailler beaucoup par réseau, tu vois, networking. Le portfolio est toujours important. Être coopté sans doute par les DA qui vont te faire bosser. Que ce soit d'ailleurs sur tout type de projet. Tu fais quoi? Tu fais des affiches? Tu fais Un peu de tout, du logo, de l'illustration typographique. Là, je bosse pour une BD notamment avec Laurel. D'accord. Je fais du logo et puis de l'illustration pour le magazine, bouquin, un peu de tout. On fait même des murs, j'ai fait des murs il y a pas longtemps. Ça, c'est un que j'avais fait l'année dernière. Et sinon, on a bossé sur un gros mur. J'ai vu ton mur bleu. C'était une expérience. C'est celui-ci. T'es parti sur ce style-là. Ça, c'est pour une expo, moi, j'ai fait la partie droite. Première expérience pour monter à 6 mètres, parce que là, c'est à 6 mètres. Oui, on voit pas trop. On a presque l'impression que c'est plus bas. Avec la bombe au pif, tu vois. Donc, là, c'est super expérience. J'adore ça. Ça aussi, j'aimerais en faire plus. Donc, ça aussi, je vais mettre dans le portfolio pour montrer un peu les possibilités. Toutes les étapes, il me semble. Comment ? Tu avais mis des étapes, je crois. Ouais, j'avais mis le croquis, je pense, un peu avant. En story ? Non, peut-être pas. Je crois pas. Alors... Ah, les étapes, tu veux dire par rapport à... Ouais, parce que quand tu étais, tu avais fait des stories de ça, je crois. Ça devait être en story, ouais. Et tu vois, j'ai même fait un timbre, on a vu un peu plus haut, dans le même style. Tu vois, il est juste encore un peu plus haut, le Stay Wild, c'est ça. Donc ça, c'est un truc aussi que j'essaye de développer un peu, c'est plus illustratif, c'est plus artistique. Il y a un petit côté où je commence à jouer un peu avec les formes et un peu moins avec... il y a du travail de lettres, mais il y a aussi un travail un peu sur les contrastes et les choses comme ça. Ça aussi, c'est quelque chose que j'essaye de développer un peu, quoi. Ouais, je crois d'ailleurs avoir vu que maintenant, via la poste, on pouvait faire imprimer ses propres timbres. Ah ouais ? Ouais. Du coup, j'ai une copine qui a montré sa commande, où en fait, elle a envoyé ses illustrations, elle a fini par recevoir les timbres imprimés avec en filigrane, des trucs que eux repèrent. Ouais, c'est possible. Et du coup, tu peux faire ton propre courrier avec tes timbres à toi. Et là, ça devient cool. Ça m'intéresse. ça va être la suite. J'attends de recevoir ma première carte postale. Super. Maintenant que c'est lancé. Exactement. Bon, alors j'ai vu que du coup il y avait du monde. Bonjour à tous. Oui, au fait, alors pour ceux qui débarquent pour la première fois sur la chaîne YouTube Adobe France, je fais un petit intermède de présentation. Donc on fait des sessions très régulièrement les mardis de 10 à 11, de 12 à 13, sur lesquelles on va parler des outils, de vos applis Creative Cloud. Et très régulièrement aussi, j'invite des artistes dans tous les domaines. Aujourd'hui, on a Francis sur la partie typo, lettering, couleur, illustrator. Voilà, je.
je mets tout dedans. Mmh. Et vous pourrez retrouver des photographes, des vidéastes, des motion designers sur cette chaîne. Et du coup, c'est en direct. Donc l'intérêt de regarder ça en live, c'est que vous pouvez nous poser vos questions. Et puis du coup, je vais dire bonjour un petit peu aux uns et aux autres. Bonjour Stemmele, bonjour Stéphane, bonjour, c'est imprononçable, l'Estreba. Je parle pas le lit, désolé. Salut Jean-Loup, David, Loïc, Linda, Skelia, Slumi, Tuto, Béné, David, encore, Daniel, Anthony. Ah, Tony est là, salut Tony. Ouais, salut, bonjour, Daniel. Alexandre Leclerc, Toréa, Alexandre Becquet qui est là et qui nous poste tout un tas de liens, toujours. C'est le seul d'ailleurs à avoir le droit de poster des liens. Les autres se font kicker par le bot. Jectou, Nicolas, Julien, Mathieu, encore Julien Cabaroc. Et Mathieu, et monsieur Jean-Philippe Cabaroc. Ben, voilà, il y a du monde. Ah, le timbre pour les relances clients, c'est quand tu me payes. Je crois que celui-là, il existe en tampon chez Sardon. Je pense. Bah, c'est une super bonne idée. Ouais, ouais. Écoute, Jean-Philippe, faut y aller, faut faire ce timbre-là. Ouais, c'est clair. Alors, parle-nous de toi, de ton histoire, de où tu viens, Francis. Je suis curieux. Enfin, eh bien, écoute, moi, je suis graphiste depuis 2004. Mm-hmm. J'ai pas fait d'études. De design ou de graphisme ou de communication, enfin communication un peu quand même. J'ai fait une école de commerce au départ. D'accord. Ouais, j'étais au groupe ESSEC. Mm-hmm. Moi j'étais pas du tout destiné à ce genre de taf. Est-ce que ça te manque ? Pas du tout. j'ai bossé 2-3 ans dans le conseil après, donc costard cravate tous les jours et tout. Ah, et tu l'as fait quand même. Mais ça a duré 2-3 ans jusqu'à temps que mon physique me dise que c'était pas la bonne direction. Mm-hmm. Donc là après, je me suis remis un petit peu en question et puis on a déménagé avec ma femme pour aller en Belgique. Là, j'ai pris des cours, j'ai commencé à prendre des cours de dessin. Donc, j'ai toujours adoré le dessin. En fait, je pense que c'était une erreur d'orientation au départ. C'est parce qu'il fallait faire un métier sérieux. Bah ouais, parce que bac littéraire, il disait, le conseiller d'orientation disait, mais vous avez tout pour faire un bac scientifique. Pourquoi vous iriez dans autre chose, quoi. Donc, j'ai suivi cette voie. Et d'autant que j'ai bien remarqué que c'était pas la bonne. Et donc j'ai pris des cours de dessin, j'ai fait du compagnonnage pendant un an et demi, c'est-à-dire que j'étais compagnon avec une artiste peintre belge. D'accord. Qui accueillait des gens dans un atelier chez elle. Ok. Elle avait fait agrandir sa baraque pour accueillir les gens, et pendant un an et demi, deux ans, j'ai travaillé sur les peintres flamands. D'accord. Primitifs. Donc j'ai beaucoup travaillé, c'est là pour le coup c'est de l'art plastique pur et dur, huile. Travail de couche, enfin les trucs comme ça, tout en faisant un peu de graphisme à côté. Je me suis mis à Photoshop, j'ai vraiment craqué pour le web, parce qu'en fait je voulais faire mon premier portfolio, et j'ai appris HTML, CSS direct, sans passer par Flash. Et puis j'ai adoré, donc je me suis mis au web, et j'ai eu mon premier projet était pour Libé. D'accord. Parce qu'en fait j'ai ouvert un blog sur WordPress, parce que je m'étais mis à WordPress. Le fameux blog WordPress dont les gens parlent. Voilà, et qui va sûrement fermer malheureusement. Je peux le regarder quand même ou t'es trop triste? Le blog? Ouais. Mais en fait c'est là où il y a mon portfolio, donc on va y aller. Le blog, je l'ai sorti en 2006 je crois. Et puis j'ai calculé l'autre jour, j'ai regardé entre 2006 et 2010, j'avais écrit 650 articles, un truc comme ça. 650, ça fait quand même un paquet. Fond, hein. J'étais à fond sur WordPress. Alors, est-ce que c'est francisart.com? Ouais, ouais. Ouais, et puis j'ai un peu laissé tomber après, parce que je faisais plus de typos, plus de projets d'identité, autre chose comme ça. Mm-hmm. Du coup, j'ai un peu lâché WordPress. Mais bon, j'ai touché énormément de monde, donc j'avais beaucoup de boulot pour WordPress, et notamment un des premiers gros projets qui était pour Libé. Ouais. Donc c'était assez sympa, parce que comment chiffrer, combien de temps il va me falloir pour faire le projet, j'ai un peu tout appris sur le tas. Je pense que là, mais ça s'est bien passé. Après, tout s'est enchaîné, et vers 2010, donc, j'ai ouvert un blog avec un copain Aurélien, un blog qui s'appelle Beautiful Type. Il y a les liens quelque part ou pas? Pour Beautiful Type? Ouais. Non, c'est fini. C'est beautifultype.net, et je pense qu'il est toujours en ligne.
sans espace, sinon je vais pas y arriver. Ce serait bien. Ce serait mieux. Hein. Voilà, tu vois. Mmh. Et donc, c'est design de 2010. Et bon, je poste encore quelques trucs de temps en temps. Et on avait, c'était un Tumblr, 120 000 abonnés. Mmh. Donc, ça marchait super bien. Et moi, bon, je faisais de la veille là-dessus. Et puis, je me suis mis à dessiner moi-même. Mmh. Et puis, ouais, entre 2010-2012, j'ai commencé à faire des projets d'identité et de logo tournés autour de la lettre. Ouais. Puis, ouais, à partir de 2012 jusqu'à 2015, ça a été une période de transition. C'est-à-dire que je faisais de moins en moins de web et de plus en plus de lettering. Mmh. Et 2015, je suis parti aux US faire une formation avec quelqu'un qui s'appelle Ken Barber. D'accord. Qui est chez House Industries. D'accord. Donc, grosse boîte de... tu vois, si tu trouves House Industries, c'est vraiment... je sais pas si là tu es sur son... Là, je suis chez lui, tu mais vois j'ai déjà le niveau du mec, quoi. Sur c'est son... ça. Là, on est chez et donc, chez House Industries, et là, je suis resté une semaine à travailler avec lui. Mm-hmm. Et puis en revenant, je me suis dit, bon, bah voilà, quoi, je vais faire ça à 100%, à fond les gamelles, et puis j'arrête tout le reste, quoi. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, ça, c'était en 2015. D'accord. Et donc, en fait, ce que j'ai beaucoup apprécié en allant là-bas, c'est que lui travaille beaucoup, enfin, House, de manière générale, travaille beaucoup les styles des années 50-60 mm-hmm. américains. Ouais. Donc, tout, un peu tout ce que j'aime, quoi, les styles un peu funky, brush, sign painting et des choses comme ça. Mm-hmm. Donc, je me suis senti un peu dans la famille, quoi. Enfin, c'était ouais, vraiment assez spécial. Il y avait un lien par rapport à ce que toi tu regardais, voilà, et que tu faisais auparavant. Ouais. Complètement. Et du coup, je me suis dit, bah voilà, j'ai trouvé ma famille, j'ai trouvé ce que j'ai envie de faire. Donc, je me suis mis à 100% là-dessus. Mmh. Et puis, bah, je fais ça depuis maintenant 4 ans à 100%. D'accord. Et ce que j'ai... je développe... comment dire, j'essaie de développer... C'est ce que j'essaie de faire dans le portfolio. C'est vraiment de montrer les projets qui me touchent, qui me paraissent importants. Mmh. Et hier, justement, on en parlait tout à l'heure, j'ai regardé le abstract saison 2 avec Jonathan Hoffler mmh. sur la typo, et il montre un truc que je trouve super intéressant dans sa vidéo, c'est que en fait en tant que typographe ou amoureux de la lettre, on regarde beaucoup ce qui se faisait avant mmh. et lui dans Hoffler, c'est Hoffler, c'est celui-là. Merci, pardon. Voilà, et tu vois, tu regardes... voilà, exactement. Voilà, là, tu peux aller voir sur typographie.com, il y a des trucs super beaux. Ils font des choses vraiment chouettes, tu vois. Mais j'avais pas vu le abstract. Et donc, il montre en fait que il utilise beaucoup ce qu'il voit à gauche, à droite, ce qui est soit dans les enseignes, mm-hmm. mais là, dans la vidéo, il montre qu'il s'est intéressé aux montres, ouais. aux vieilles montres, et pour essayer de voir un peu les designs des lettres et des chiffres mm-hmm. à toute petite taille qui se faisaient ouais. autrefois. Et qui étaient des lettrages, il n'y avait pas de police de caractère liée à ce qu'il faisait pour la montre, c'était vraiment fait uniquement pour la montre, quoi. Mmh, mmh. Et donc lui, en fait, il a analysé tout ça, il a étudié tout ça, il est allé à la Bibliothèque Nationale de New York pour essayer d'en savoir plus et tout, pour développer une police autour de ce genre de lettres. De ces typos, de ces... Et quand tu vois un mec comme Ken Barber, c'est pareil, ou son boss Andy Cruz. Mmh. C'est des gens, ils vont chercher dans ce qui se faisait dans les années 50-60 et tout. Donc ils vont retourner des vieilles archives, des vieux voilà, cartons. Voilà, exactement. Mmh. Et puis ils vont essayer d'en tirer un style qu'ils aiment bien et en faire une police, quoi. Et moi, c'est vraiment ce que j'adore dans mon métier, c'est me plonger dans les vieux bouquins mmh. Que j'essaye de choper de temps en temps. Mais il existe des bouquins aujourd'hui qui référencent un peu des vieux styles. Et me plonger là-dedans, et puis c'est ce que je faisais pas mal pour mon challenge, c'est je trouve un style qui est vachement bien à tester. Ouais. Et ben voilà, aujourd'hui, tiens, je vais m'amuser là-dessus. Et c'est ce que je fais, on en parlera peut-être tout à l'heure avec Frontself. J'ai découvert il n'y a pas trop longtemps un artiste italien qui s'appelle Sandro Simeoni. D'accord. Ouais, Simeoni, je ne sais pas si on montre. Voilà, tu vois. Ah oui. Et donc, en fait, lui faisait des. C'est un illustrateur. Italien mmh. et tu vois le genre de lettres avec enchevêtrement et tout ça, bon bah mmh. c'est super passionnant. Du coup, je me suis amusé à reprendre son style, j'ai commencé à travailler avec le parallel pen ouais. j'ai tout transféré sur l'ordi sur Illustrator et via FontSelf
Eh ben, j'ai commencé à faire une police dessus. On montrera tout à l'heure si ça Non, t'intéresse. carrément, bah, Et c'est c'est sûr. génial, quoi. C'est vraiment pour moi, c'est super. Il y a une relation avec l'histoire du graphisme. Et puis bah, ce que j'aime faire. J'ai de plus en plus envie d'aller vers D'aller ça, dans quoi. cette direction-là. Alors, dans les commentaires, il y a Julien qui demande à quand le retour du Walking Web, parce qu'il a dû voir que Jean-Philippe et Tony étaient là aussi. Jean-Philippe a répondu quand on Faut que aura je réponde? une pétition d'au moins 10 000 signatures. Ça marche? Bon. 10 000 signatures et le retour du Walking Web, on est bon. Ah, Tony, il est chaud. Ouais, Tony, il est toujours chaud, Alors, de toute façon. Tony, il est chaud, mais j'ai vu Francis lui dire que s'il avait pas 10 000 projets, voilà. Pour ça, il faudrait pas avoir 10 000 projets en même temps. Voilà, Voilà. c'est clair. C'est clair qu'on a un peu envie de faire plein de choses sur des Ouais. sujets différents en plus, hein, et qu'il faut trouver le temps. Donc c'est toujours un peu problématique. Et en plus, comme on était cinq, il faut toujours Faut que les réussir cinq à se soient. coordonner, C'est synchroniser, ça doit pas être quasiment simple. mission impossible, quoi. Donc, Ouais. Après, c'était du direct de toute façon, donc il y avait c'était du direct, ouais. donc c'est genre à 5, on va réussir à se prendre un apéro en ligne, à distance. Ouais, c'est clair. Mais tu sais qu'il existe en lettering, il y a deux filles qui ont lancé un podcast, deux américaines. Ça s'appelle Drunk on Lettering. Donc c'est bourré sur du lettering en français, on va dire. Et en fait, bah, elles ont commencé ça, elles picolent pendant le podcast. Et c'est assez marrant, mais elles ont énormément de succès. Bon, moi, je trouve ça. J'aime bien les podcasts structurés. Des fois, c'est un peu Ah bah bordélique et ça du dure coup 2 heures. c'est le problème Donc, bon, des fois, j'ai un peu de mal à suivre. Mais. Et puis de plus en plus, je suppose, parce que plus elles boivent, plus Bah, ouais, c'est clair. moins c'est Puis, des structuré. fois, tu te dis, bon, quand est-ce qu'on va parler de choses Un peu sérieuse. un peu sérieux. Enfin, Arrêtez de bon. filmer vos apéros. Ouais. Mais non, mais l'idée est bonne. Donc, il faudrait peut-être faire ça, en fait. Faudrait se dire, c'est une occasion de picoler. Je pense que ça motiverait peut-être plus chacun Alors, à se déplacer. puisque tu parles de motivation, il y a Cyril qui dit, les gars, c'est bon, là on est dans la bio, mais je serais quand même chaud de savoir la nature des boulots qui te fait vivre, Ouais. parce qu'on voit beaucoup de recherches sur Insta, mais Ouais. concrètement, la recherche, ça paye pas. Non, pas du tout. Alors, qu'est-ce qui te fait vivre? Alors, ce qui me fait vivre, c'est la multiplicité des revenus. Donc en fait, je fais des projets. Donc là, le portfolio sera mis à jour, donc il va y avoir plus de projets clients. Mais en gros, bah, ces projets. Donc il y a les projets clients d'un côté, donc c'est-à-dire ce qui est logo, illustration. Ça, seulement ça, ne permet pas d'en vivre. Si on parle un peu d'argent, on va dire, enfin, sans donner forcément des chiffres, mais disons que les projets clients vont permettre de subvenir à la moitié de mes besoins, j'ai envie de dire. Et c'est pas suffisant. Et moi, j'ai aussi un autre problème, c'est que j'ai beaucoup de demandes, mais souvent, c'est des demandes avec des budgets misérables, quoi. Mais c'est jamais simple en plus, je pense que les gens n'ont pas forcément idée de combien ça peut coûter, de... Exactement. T'as à la fois les mecs qui veulent juste du gratuit parce qu'ils trouvent ça cool, Ouais. mais tu le fais pour le plaisir de toute façon. Bah, c'est ma passion. C'est un métier Donc, passion, c'est c'est... assez. Donc, le truc, c'est que là, cette semaine, j'en ai parlé sur Twitter hier. J'ai eu deux demandes. Une pour 100 $ max pour un projet de logo. Et l'autre, on me dit, bah, écoute, on a 2-3 heures max à te payer. Et il faut que ça soit fait pour la fin de la semaine. Donc. Ça, j'en ai pas mal et ça, je refuse. Donc, en fait, il y a un certain tarif en dessous duquel je prends pas les projets. Moi, je préfère être sélectif et quitte à gagner moins, mais j'ai pas envie non plus de faire 10 logos pourris par mois. Donc, du coup, je suis assez sélectif. Mais comme ça suffit pas pour en vivre, je fais de la formation à côté. Donc, je suis normalement depuis peu. Enfin, normalement. Notamment depuis peu formateur chez Pyramide. Donc je fais des formations à Paris. Normalement, on est à 3-4 formations par an. C'est chouette ça. Et du coup, ça veut dire que les gens qui ont envie de découvrir le lettering, mais de manière un peu plus intensive que juste le petit overview qu'on va faire là, Ouais. c'est des sessions qui durent combien de temps 2 jours. d'ailleurs? C'est des sessions Deux qui durent jours. 2 jours, ouais. Les bases. On a commencé avec cette formation. Sinon, je travaille aussi. Là, on a une formation qui est prévue sur Lyon avec Designer Plus et Sopha, qui est le 14 et 15 octobre.
C'est pareil, c'est une formation de 2 jours. Ouais. Moi, je fais des formations dans mon atelier ou de temps en temps en province, des formations d'une journée ou de 2 jours. Et donc, ces formations-là me permettent de récupérer de ce que je fais toute l'année. Ouais, puis j'organise aussi des workshops avec des artistes. Workshops avec des artistes, ouais, notamment Copenhagen Science qui vient chez nous. Mmh. Ensuite, je fais aussi un peu d'alimentaire, donc je fais des projets de signalétique. Ouais. Au niveau local, que je mets pas dans mon portfolio parce que c'est pas le cœur de mon travail au quotidien, mais j'aime bien faire ces projets et ça paye bien. Donc il y a donc on a les projets clients, la formation, un peu d'alimentaire, mais toujours autour du graphisme et de la lettre. Ouais. Et puis le dernier, enfin les deux derniers, j'ai un bouquin qui est sorti sur lequel je touche des royalties. Donc ça, ça me fait quand même quelques milliers d'euros par an, donc c'est pas négligé. C'est on le voit là, le bouquin, c'est lequel? Non, tu l'as pas vu. Voir sur l'Instagram. Donc c'est les ateliers du lettering, pas publié chez Erol. C'est Erol qui. Ouais, il y a une version anglaise qui est sortie depuis le mois de mars, donc qui est commercialisée dans tous les pays anglophones. Et puis, ouais, là, tu devrais pas tarder à le voir, je pense. On va finir par y arriver. Je publie tellement de trucs. Ouais, mais avec les 100 jours de typo, du coup, ça bouffe tout le reste. Et puis, en dernier lieu, là, je fais... je commence à bosser sur des polices. Donc, j'en ai 6 en cours. Ah, sympa. Donc, ça fait du revenu passif. Et pour dire les choses telles quelles... J'aimerais avoir de plus en plus de revenus passifs, en fait. Ouais, c'est-à-dire pouvoir vraiment sélectionner les projets clients et faire moins d'alimentaire et puis faire toujours autant de formations et gagner un peu plus sur de la police de caractère. Ouais, alors, je sais très bien que c'est super dur de gagner sa vie avec ou de vendre de la police. Mais bon, c'est sur la multiplication des revenus que je m'en sors. Sinon, honnêtement, ça serait quand même difficile d'en vivre. Et même avec tout ça, faut quand même être tout à fait honnête. Oui, je gagne quand même moins. Je gagne quand même moins que ce que je gagnais quand je faisais du web. Et est-ce tu gagnais moins déjà que ce que tu faisais quand tu sortais de l'école de commerce? Bah, c'est ça, ouais, c'est ça. Hein, c'est, Mais bon, après, c'est un choix. Moi, personnellement, je travaille pour subvenir à mes besoins et puis basta, en fait. Ouais, bien sûr. Donc, j'ai choisi de faire un truc qui me plaît. J'ai ce qu'il faut pour payer les factures. Et je cherche pas à bosser comme un malade et à enchaîner les projets pour gagner un max d'habitude. Alors, il y a Nicolas Sini qui dit qu'elles sont trop cool, tes formations. Il a suivi le workshop sur le lettering à Nantes. On s'est vu sur Nantes, ouais. Donc, il a l'air très content. Et Linda qui réclame une formation sur Bordeaux. Alors, c'est comme d'hab, les formations... Sur Bordeaux, il y en a une, là. Je crois que c'est ce week-end. Ah. C'est Jérémy Bonne qui l'a fait. D'accord. Je pense qu'il a encore de la place. Ça peut être super sympa. Comment t'écris Bonne? Jérémy IE. Ok. Et Bonne B comme Bonne, quoi. Et je pense Jérémy que... Bonne sur Instagram. Regarde si tu trouves sur Instagram. Hop. Sur Instagram. Voilà. Et lui, il a une formation ce week-end. D'accord. Donc, je pense. Hein, Workshop c'est Bordeaux 28-29. Voilà, donc on y est presque. Ouais. Pour Alinda, c'est le moment. Donc voilà, Alinda, il est encore temps. Et c'est un super pote. Il va venir d'ailleurs pour le workshop de Copenhagen Science début octobre. D'où le fait que ce soit. Il a fait un travail. Ouais. Donc voilà, c'est lui qui fait la formation sur Bordeaux ce week-end. Voilà, donc vous cherchez Jérémy Bonne et vous devriez trouver. Ça va se mettre en place. Ouais. Alors Tizieux que j'avais reçu aussi sur la c'est chaîne. Marrant parce qu'on se connaît. Les noms ou en vrai? En vrai, on s'est pas encore rencontré avec Tizieux, mais on a beaucoup échangé. J'avais participé à un cours qu'il avait fait avec des étudiants. D'accord. Et puis on a fait une expo il y a 2-3 ans ensemble à Annecy. On est un petit monde. Hein. On est beaucoup à se connaître, quoi. Mais Tizieux, il est pas venu depuis 3 ans chez moi, regarde. Bah alors. On avait joué à l'époque. En mode dessin entre Photoshop et sa surface, il avait expliqué aussi tout son process. Ouais. Ah, on ressort les vieux dossiers. Je vois qu'il dit qu'il fait aussi
que le revenu passif, c'est la vie. Bah ouais, ouais, c'est un peu le principe d'avoir des trucs qui peuvent tourner, même si c'est sur du long terme. Par ouais, tout à fait. Et je pense que honnêtement, aujourd'hui, c'est quand même assez. Enfin, moi, j'ai quand même remarqué que les budgets ont tendance un peu à se casser la figure. À fondre. Donc, c'est important de se diversifier, d'avoir plusieurs flèches à son arc pour pouvoir essayer de joindre les deux bouts. Donc, je pense que. Tout à fait, ouais. Et les gens s'en rendent pas compte. Alors, je sais pas quels gens se rendent pas compte que le revenu passif, c'est la vie, nous dit. Parce que ouais, pour ouais, le coup, ouais. Mais bon, il y a pas mal de podcasts en anglais sur ce qu'ils appellent le passive income. Ouais. Et comment tu peux gagner de l'argent et tout. Et notamment avec les polices, dernièrement, il y a aussi un shift qui se fait. C'est que il y a Creative Market qui prend, entre guillemets, le pouvoir. Sur la vente de police, il y en a qui se font pas mal d'argent. Le seul souci, c'est que c'est vraiment une grosse minorité et que les prix sont vraiment au rabais. D'accord. Donc il y en a, ils proposent 10 polices pour 29$, tu vois. Donc c'est vraiment le nivellement par le bas. Donc il y a deux types de typographes maintenant. Il y a ceux qui font ça sur Creative Market et ceux qui utilisent les réseaux. Bon, c'est pas du tout le même métier, j'ai envie de dire, hein, parce que ils ont pas le même vécu, ils ont pas la même formation et tout. Mais bon, Creative Market marche plutôt pas mal, quoi. D'accord. Donc, nous ici, on est très Adobe Fonts, ouais. Parce qu'on a je sais pas si tu utilises un petit peu ou pas plus que ça, ouais. Parce qu'on a bien facilité la vie des gens sur le le sujet. Est-ce que dans les gens qui nous suivent d'ailleurs, il y a des utilisateurs de Adobe Fonts, fonts.adobe.com. Tiens, je suis plus connecté sur cette machine, c'est dommage. Si, c'est bon. J'ai un mec que j'adore qui a une police, s'appelle Beastly. Alors tu écris comment Beastly? B-E-S-T comme une bête. Ouais. Là c'est James Edmondson de Onotype. Justement, bah, lui il avait fait le workshop avec Kyle Barber en même temps que moi. D'accord. Mais bon, lui c'est un mec, il a 15 ans de moins que moi. Mais il est extraordinaire, quoi. C'est le futur de la typo, c'est un peu lui, quoi. Et c'est un peu lui aussi qui a monté Future Fonts, la fonderie un peu différente, j'ai envie de dire, qui propose des polices en cours de réalisation. Ouais, c'est-à-dire où tu vas avoir les premiers glyphes utilisables sur un poster. Une notion de versionning. Et donc c'est un peu lui qui a monté ça avec d'autres personnes pour permettre d'avoir un endroit où toutes les typos un peu plus display, un peu plus différentes, funky et tout, et leur place. Et d'ailleurs il y a pas mal de typographes ou de type designers français qui sont là-bas, c'est pas mal du tout. Ouais, c'est bien de voir, en plus surtout ça veut dire que ça, on y a accès assez facilement. C'est vrai qu'il y a toujours cette phase de recherche où on se demande comment on va pouvoir quel typo on va utiliser quand on n'a pas forcément le temps ou le budget pour avoir accès à un letterer. Ouais. Moi, je sais que j'ai tendance maintenant à y aller très facilement parce qu'ils ont rangé ça en mode jeu de police. Ouais. On va pouvoir trier, genre, bah, si vous faites du dossier technique avec des graphes, vous pouvez aller chercher des trucs chiants, mais que si vous avez besoin de choses un petit peu plus sympas, enfin, en thème, sur des thèmes, sur des époques, sur des ambiances, il y a vraiment pas mal de choix. C'est quoi. Super sympa, ouais. Et il y a, moi je trouve, j'utilise là pour mon portfolio, j'ai viré WordPress et je vais passer sur Squarespace, et justement tu as la bibliothèque Adobe Font dessus. Et c'est super parce que du coup, bon, je sais pas comment fonctionne le partenariat, mais tu as accès vraiment à plein de polices de qualité, quoi. C'est vraiment génial, quoi. Ouais, ça c'est vraiment cool. Il y a Tony qui nous dit je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent encore que chaque typo Adobe a encore le décompte de nombre de vues par page. Or, c'est vrai que c'est plus le cas. Je sais jamais où retrouver sur le site toute la partie prix, parce qu'à une époque il y avait une partie sur le pricing, mais en gros maintenant il suffit juste d'avoir accès à votre compte Adobe Creative Cloud et vous pouvez utiliser les polices, et là il n'y a plus de polices parce qu'il n'y a plus de problème parce qu'on est en mode illimité.
Vous utilisez autant de typos. Alors, si vous avez envie de faire un design avec 78 typos sur la même page, vous pouvez. C'est pas forcément conseillé, mais c'est possible. Ouais. Ouais, on a quand même inventé le biseau et estampage. En 10 ans, comment ça a évolué. Hein. Ouais. Il y a 10 ans, on commençait à parler CSS 3, et puis on disait, oh, ça va être un beau bordel, les gens ils vont faire des sites web, utiliser tout et n'importe quoi. Mm-hmm. On va rester avec Georgia, et puis et en fin de compte ça marche super bien quoi, l'utilisation qui en est faite et bon, Typekit au départ hein, qui était un projet indépendant version, ouais, bien sûr, a vraiment aidé là dessus quoi. Mm-hmm. C'est ouais, vrai qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus simple l'intégration avec Adobe vraiment aide énormément quoi. Alors Tony a posté trop de capital, le bot l'a viré parce qu'il y avait trop de caps. Ouais, et du coup ils prennent que de la Google Font, ouais, ça c'est bien dommage pour eux, parce que c'est vrai que moi ce que j'aime bien aussi là-dedans, c'est effectivement qu'on va avoir aussi tout le tri, et notamment bah, pour les francophones, le fait de pouvoir trier les typos par langue, ça fait que vous allez avoir tout simplement des cédilles dans les typos sur lesquels vous travaillez, des cédilles, des accents, c'est pas toujours le cas, mais au moins ça vous évite de vous retrouver avec la typo texte sur laquelle vous pouvez pas faire la moitié de vos compos. Ouais. Ouais, tout à fait. Ok, super pratique au quotidien, Adobe Fonts, tous les jours pour Mathieu. Il y a pas mal de choses sur le groupe Facebook des apprentis lettreurs. Ouais, c'est vrai qu'il y a ce groupe aussi où il se passe un petit peu des. Ouais, tout à fait. Ouais. Bah, ça, j'en ai pas parlé, mais. C'est un groupe que j'avais créé en 2014, justement pour permettre. Alors, au début, c'était un groupe complètement fermé avec une vingtaine, trentaine de personnes. Mm-hmm. Et on échangeait sur nos travaux, on se faisait du feedback et tout. Et finalement, bah, au bout d'un an, plus personne n'échangeait. Uh-huh. Donc j'ai décidé d'ouvrir un peu à... On est passé de privé à fermé, si ouais. Je me souviens bien. Et puis bah, là, ça a explosé et on est à un peu moins de 10 000 personnes maintenant. Mmh, mmh. Ouais, 10 000 personnes sur du spécial typo en français en plus, parce que les gens échangent. En français, ouais. Mmh. Ouais. Donc, bon, il y a eu un gros boom à un moment donné et ça se tasse un petit peu maintenant. Ouais, mais après, je pense que c'est toute la vie de toutes les communautés. Ouais, tout à fait. Il ouais. y a toujours donc, des. C'est sur Facebook, hein, il suffit de taper les apprentis lettreurs. Et puis. Il y a un peu de tout et c'est vraiment... On a fait un gros bout de chemin depuis 2014, quoi. Mm-hmm. Et c'est toujours très intéressant de partager et d'aider un peu aussi les gens qui s'y mettent et des choses comme ça. Est-ce que tu vas jouer sur Inktober ou pas du tout, toi? Là, écoute, je viens de donner pendant 100 jours. Oui, justement, là, ça fait 31 de plus. Je fais un break, là. Bien. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai pas posté le moindre truc sur Instagram depuis que j'ai arrêté mes 100 jours. Je crois c'est que c'est le, que la, la un déconnexion. Une overdose, ouais. À un moment donné, je dirais, putain, j'en ai. Oui, parce que toi, t'as fait tes 100 jours d'affilée. Moi, ouais. je sais que j'ai picoré au début, ça m'amusait un petit peu d'en faire un petit peu. C'est chaud, quoi. Ouais, et puis on s'est mis d'accord. Enfin, là, on en a rediscuté parce que je suis retourné à Berlin pour présenter. Ça, c'était super. Hein. Donc, Berlin Letters, qui a initié. Enfin, moi, j'avais fait le projet 100 jours de lettering il y a 2 ans. Ouais. Ils m'ont invité en mai pour donc à une conférence qui s'appelle Berlin Letters pour parler de mon challenge. Mm-hmm. Ça a super motivé plein de gens. Donc, du coup, ils ont décidé, ils m'ont demandé, est-ce que tu veux refaire un challenge cette année? Donc, j'ai dit, bah, ouais, ok, allons-y. Et puis, donc, on est parti là-dessus, mais à partir de fin mai. Mm-hmm. Du coup, on s'est tapé toutes les vacances avec un lettrage par jour. Et ça, c'était... C'est épuisant. Ouais, c'est-à-dire quand t'es en vacances et que tu te dis, voilà, il fait beau, je suis bien. Et qu'il faut que je rentre parce que j'ai mon lettrage à faire pour 17h, 18h. Ah, c'est pas simple. Hein, c'est, Non, j'ai essayé de prendre un peu d'avance, mais j'avais plutôt tendance à prendre un peu de retard, tu vois. Ouais. Donc... mais bon, ouais, c'était c'est une super expérience quoi. Mm-hmm. Mais là, j'ai complètement zappé depuis 2-3 semaines quoi. D'accord. Et comme on disait tout à l'heure, avec je sais plus qui posait la question sur l'expérimentation, mm-hmm. moi j'utilise principalement mon compte Instagram pour ça. Ouais, pour pouvoir tester, être sûr de. Ouais, les projets clients, j'en ai discuté avec certaines personnes il n'y a pas longtemps, je vais en poster.
Je vais en poster plus, mais de manière générale, au départ, je n'utilise pas forcément pour ça. Donc, à voir, c'est... Ouais. C'est peut-être intéressant, une fois qu'un projet est vendu, validé, de rappeler que tu fais ça aussi, Ouais, au disons que passage. moi, ce qui m'intéresserait, c'est, tu vois, poster les croquis, puis l'évolution, des choses comme ça. Le problème, c'est qu'avec un projet, avec le client, la trois quarts du temps, il préfère pas trop qu'on voit l'envers du décor Alors avant que le peut-être projet soit avant, fini, mais quoi. éventuellement Ouais, quand le après, projet ouais. sort, pouvoir Bah ça, je ressortir le des fais de archives. toute manière sur le portfolio, mais effectivement, c'est des choses que je pourrais poster, ouais. Tout à fait. Tiens, d'ailleurs, en parlant du portfolio, le premier projet là-haut, tout à l'heure, on a croisé Mister Cup Ouais, qui est très venu bien. sur la chaîne aussi. Tu avais participé aussi à son calendrier, donc Ouais, 2018. Hein. 2018, ouais. Et en plus, tu avais quand même eu d'avoir le droit à la page du mois de mai. Ouais, c'est clair. Pour ceux qui, pour que ceux qui cherchent pourquoi c'est la page du mois de mai, il y a ça au milieu. Et si vous ne savez pas, ben je vous laisse chercher. Voilà, exactement. Et donc ça c'était vous vous étiez rencontrés avant ou c'est vraiment que de la communication en ligne Non, donc on s'est rencontrés pour la première fois ce matin. Voilà, c'est bien ça, hein. Mais on se connaissait depuis un bon moment. Il avait été aussi invité dans le podcast de The Walking Web. Donc on avait fait connaissance comme ça, mais on se suivait mutuellement depuis un bon moment. Et puis bah, il m'a contacté en 2018 pour bosser avec lui. Et bah, je suis parti sur quelque chose typique de ce que j'avais envie de faire, assez brut, assez aussi différent de ce que pouvaient proposer d'autres comme toi, comme ce genre de choses qui est très léché et tout ça. Moi, j'avais envie d'être un peu de permettre de donner une sorte de d'alternative. Et c'était un super projet. Et ce qu'il faut dire, c'est que le boulot que fait Fabien de son côté sur ce projet-là comme sur les autres projets et avec son imprimeur à Studio Pression, c'est vraiment du travail de malade. Donc et il a lancé la version 2019, 2020. 2020. Alors, Hier ouais, soir, donc c'est pour ça que je passe là. Pour les Français qui seraient intéressés, parce que je pense qu'on a assez peu d'anglo-saxons avec nous là aujourd'hui, Fabien nous disait qu'il vient tout juste de lancer, donc hier soir, je crois, hier après-midi à 17h, il a lancé le Letterpress Calendar sur Kickstarter. Je pense que j'ai même pas recherché ça, Letterpress. On va le faire à la main. Je vous fais des infos en direct. Voilà, 2019. Ouais, depuis Alors, 2019, tu je dois pouvoir suppose que passer. dessus, il doit y avoir la page du suivant. Now at Mister Cup. Et est-ce qu'il y a ces autres Bah, si tu projets? passes par Mister Cup, là, Voilà, t'as c'est tout à celui-là. lire. Ouais. Ouais. Il y a ces autres projets, profil, nanana, 10 projets, 10 C'est là où projets. tu vois l'UX Voilà. de De Kickstarter. Kickstarter, ouais, on sent qu'on va leur envoyer une version d'Adobe XD gratuite. Ils vont Ouais. tester et ils vont peut-être faire des trucs plus lisibles. Donc ouais, le projet 2020 du Letterpress Calendar est en cours. C'est le moment de le commander si vous voulez les avoir pour Noël. Je crois que Fabien attendait de pouvoir les présenter directement sur Adobe Max, Ouais. qui a lieu à la fin du mois. Et il a du beau monde encore cette année qui vient participer, comme Jason Karn. Il y a qui encore? Il y a On doit avoir. Scotty Russell. On doit avoir toute la liste quelque part, je Ouais, il y en suppose, a hein. que. Où Ouais, il ils n'a pas ont. dévoyé. Si, il y en a Si, qui rien, signent, il ouais. a tout signé. Ouais. Donc Scotty Russell, Milos Milovanovic, Zdan Vidakovic. Il Ouais. faut qu'ils prennent des gens avec des noms plus courts. Ouais. Nicky Mihalik, Victor Baltus, Cody Il y a Petz, Ben Jason Karn, Johnston qui est un monstre, quoi. Renaud Orange. C'est génial, Ouais, hein. ça va encore Et ce qui est être bien, c'est très que très Ben cool. Johnston, il fait principalement du mur. Donc ça va être intéressant de voir ce qu'il fait pour du print, quoi. Donc, ouais, Ouais, c'est super bien. tout Je vois tout qu'il y a pas mal, il y a des gens il qui parlent des challenges que c'est pas évident à tenir et tout ça. y a... Ça, c'est clair. Ah bah ça c'est ouais, tenir un challenge sur 30 jours et là en plus le 100 jours c'est ou Ouais, alors faut ouais, vraiment ouais. que tu le Ben, fasses on a été en fin de nombreux. vacances quoi. On a été une centaine au début à le commencer. On a été une quarantaine à le finir. C'est 100 déjà un jours, bon c'est score très long. hein. Ouais. Disons que 30 jours, quand tu débutes, c'est déjà bien. Mais je pense que c'est le genre de choses qui est vachement important pour progresser, pour découvrir un peu ce que tu aimes faire et des choses comme ça. Donc vraiment, je conseille, même sur 30 jours, ouais, c'est déjà pas mal du tout. Donc, il faut y aller, quoi. En tout cas, ouais, pour les gens qui ont envie de tester, donc cette année on est plutôt sur du rouge. Faut voir si votre intérieur ira bien avec tout ça. Merci Alex pour le lien du calendrier, ça c'est cool. Ouais.
C'est génial. Oui, et pour ceux qui s'inquiéteraient, effectivement, même le studio, donc c'est le studio Pression avec qui ils travaillent maintenant depuis quelques temps, avec lequel ils ont vraiment fabriqué l'ensemble des. Enfin, ils sont allés choisir les papiers, les encres, ouais. Avec des trucs dans tous les sens. C'est vraiment, vraiment cool, quoi. C'est un très très beau projet. Ouais. Allez, on va passer sur ton ordi peut-être. Ouais. On le réveille, tu vas nous montrer un petit peu ce que tu as là-bas. Mmh. À la fois sur Illustrator et sur le nouveau jouet. En parlant d'XD, il sort quand sur iPad ? Anthony, je suppose que t'es pas en train de me parler de la version juste visualisée, la version compagnon d'XD. Ça, j'ai pas d'infos, mais j'espère qu'un jour il sortira sur iPad pour les gens qui ont des gros iPad. Tiens, on va partager chez toi. Mmh. Hop, hein, dès que je retrouve ma souris ici. On va se remettre en tout petit. Donc là, on est sur ton Illustrator. Ouais, donc là, on est sur Illustrator. C'est ton outil au quotidien ? C'est mon outil ou au quotidien. Souvent, quoi. Ouais. Mm-hmm. Moi, je bosse beaucoup sur l'iPad. Ouais. Bon, vectorisation, c'est uniquement sur Illustrator. Je travaille donc d'un point de vue process. J'utilise beaucoup mon carnet de croquis. Mm-hmm. Donc, je lis avec moi, là. Je l'utilise tout le temps, tous les jours. J'ai mes crayons, même le, enfin bon, j'ai mon attirail, j'ai mes parallèles pen, j'ai vraiment tout ce qu'il faut. T'as vraiment l'ensemble pour partir du... Ouais, c'est pas compliqué, hein, c'est un crayon en 0,5 mm. Mm-hmm. Avant j'avais un 0,3, un 0,7, un 0,9, et finalement je finis que le 0,5. Tu t'es dit, voilà. Ouais, plutôt en 2H ou en HB. Mm-hmm. Pour que ce soit assez dur. Assez clair pour pouvoir retravailler. J'utilise une petite gomme qui s'appelle Mono Eraser de chez Tombow. Ouais, je vois bien, je pense que c'est la classique. Pour le crayon, parce que ça intéresse toujours du monde, j'utilise ce qui s'appelle un Alvin Draft. Oh, je connais pas c'est ça. Un crayon, c'est américain, c'est très lourd. Ou alors c'est. Ils ont l'air de tout petit, ouais, c'est ouais, ça. Ils en ont sur. Donc. Voilà, c'est. Bah là, tu as toute la panoplie, quoi. Tu as les quatre. Mmh. Et en fait, ils sont pas donnés, mais alors, c'est une merveille. Ils sont pas très beaux. Ça, c'est ouais, tu as l'impression d'avoir un exacto. Les plus, couleurs assez horribles. Mmh. Mais bon, moi, j'utilise le noir, tu vois, c'est le moins ouais. Moche. Et puis, ils sont formidables. Et il y a ce côté grip à l'avant, bon, que certains utilisent, mais là, il est vraiment bien. Il accroche bien. Il est incassable, il est... Enfin bon, bref, c'est vraiment mon outil depuis très longtemps. C'est ton jouet. Et puis, donc je dessine beaucoup, mais je dessine aussi beaucoup depuis bientôt 2 ans sur l'iPad Pro. Mm-hmm. C'est un truc qu'au début, j'étais très, très, très réticent. Ouais. Je suis vraiment vieille école à ce niveau-là. Papier-crayon papier, pour avoir les traces. Et je me suis dit, putain, enfin, pardon. Non, mais je voulais... Mais travailler sur... sur une vitre, mmh. J'ai pas les sensations du papier, ouais. Ça va pas le faire. Et puis, j'ai quand même été à l'Adobe Store plusieurs fois. Mmh. L'Apple Store, pardon. Et bien, puis, bien j'ai essayé, et puis je me suis dit, il y a quand même des choses à faire intéressantes. Et donc, je l'ai utilisé sur un projet. Je l'ai acheté avec le budget d'un projet. Ouais. Donc, il a été rentabilisé. Il a été rentabilisé tout de suite. En un projet. Voilà, ouais. Et puis, sur le projet, bah, j'ai bossé uniquement. J'ai fait mes croquis et mes versions un peu ancrées sur l'iPad. J'ai balancé ça au client. Le client, il m'a dit, tu touches plus à rien. C'est parfait. Okay. Tu fais un coup de vectorisation automatique. Et on n'en parle plus. Et on n'en parle plus. Donc, il a été extrêmement bien rentabilisé. Carrément, parce que les projets qui se valident. Et je me suis dit, mais je serais passé mode crayon, plus ancrage, plus vectorisation. T'aurais passé tellement plus de temps. Plus de temps, quoi. Mm. Donc, du coup, je l'ai adopté. Ouais. Et aujourd'hui, je peux plus m'en passer, quoi. Enfin, l'iPad, de manière générale, je l'utilise plus que mon ordinateur, maintenant. Mm. Et puis, l'iPad, enfin, ouais, dessiner, je dessine beaucoup, beaucoup.
Et je passe après sur ce illustrateur directement. Mmh. D'accord, carrément. Ouais, ouais. Là, bah, je suppose que. Enfin, je suppose. Ouais, je vais faire le faussement naïf. T'as vu qu'on avait une actualité sur l'iPad depuis deux jours. J'ai même testé. T'as testé, t'as joué avec. T'as testé en amont en plus, toi, je crois. Ouais. Donc, c'est Fresco pour ceux qui seraient intéressés. Ils ont choisi dessiner, peindre et sourire parce que très clairement, par rapport à ce qu'ils ont mis en place dessus, il y a de quoi faire beaucoup d'illustrations. C'est la première appli qui utilise toutes les brosses de Kyle Webster, où ils ont vraiment réutilisé toutes les dynamiques, tout ce qu'il avait pu concevoir pendant des années sur Photoshop. Hein. Donc les gens qui sont beaucoup sur Photoshop pour le dessin, c'était pas perdu dessus. Et puis ils ont mis en place ce qu'ils appellent les brosses, les live brushes, les brosses vivantes, qui permettent d'avoir de l'aquarelle, d'avoir de l'huile, d'avoir vraiment de la matière sur le papier. Et ça c'est plutôt cool. Ouais. À l'occasion, on vous montrera un petit peu ça. Tout à l'heure et dans les semaines qui suivent, rassurez-vous, on va vous parler de Fresco. Hein. Je pense que c'est un peu notre thème du moment. Il y a assez peu finalement de lettering dans ce qui a été présenté sur la galerie Fresco, étonnamment, parce qu'il y a quand même très nettement moyen de le faire. Et surtout que l'iPad est très très fortement utilisé par les gens qui font du lettering. Hein. Mm-hmm. Donc, ouais, c'est vrai que ça peut être sympa. Ouais, c'est marrant, tu vois, regarde, la plupart des projets, on reste quand même sur l'illus. Il y en a un ou deux qui font un petit peu qui ressortent. Donc d'ailleurs, appel aux gens, si jamais vous avez bossé sur Fresco et que vous avez des projets lettering, c'est le moment, parce que comme ça, vous allez ressortir. Ouais, tout à fait. soyons fous. Ouais, c'est clair. Et pour répondre aux quelques questions des gens, vous voyez, ils me proposaient de participer à Fresco parce que l'appli est dispo maintenant sur iOS, donc sur iPad. Mmh. Et je sais qu'ils ont posé la question, en fait, pour les participants de pré-release, quel type de tablette les gens servaient. Donc, est-ce que c'était de l'iPad, est-ce que c'était du Windows, du Chrome, etc. Et du coup, ça peut être utile. Si vous avez envie d'aller un peu plus loin, un peu plus vite, et que vous n'avez pas d'iPad, jetez un œil là-dessus, renseignez le questionnaire, il y aura largement moyen de... Voilà. Ouais. Mais je pense que ça peut être un gros avantage de Fresco, d'être disponible sur différentes plateformes. Et puis aussi l'intégration par rapport aux outils desktop, comme Photoshop et Illustrator, ça peut être un gros plus. Ça peut faire la différence par rapport à la concurrence, je pense. Ouais, parce qu'au final, après, les outils vont s'approcher en termes de fonctionnalités. Il y a évidemment d'autres outils qui sont là depuis plus longtemps, que vous connaissez forcément, sur lesquels on me dit, tiens, est-ce que ça fait précisément ce truc-là? Pas forcément, on va retrouver en plus des besoins, des idées des uns et des autres. Il y a Stéphane qui dit, est-ce qu'il y a une version Surface? C'est exactement ce que je vous ai dit, regardez sur la partie pré-release, dites-leur que vous êtes sur Surface et que vous aimeriez bien jouer avec. Assez marrant parce que Stéphane, c'est mon colocataire. D'accord. Et puis, on discute pas mal sur iPad Pro, Windows Surface, des trucs comme ça. Et donc voilà, c'est marrant. On est pas dans la même famille niveau matériel. Niveau matériel, quoi. Et tiens, on va retourner chez toi. Okay. Donc ça, c'est ton process quand t'es en mode lettering. Alors juste je montre vraiment un truc live pour montrer un peu comment je travaille. Donc je pars toujours d'un croquis. Donc par exemple là. Si on voit sur le premier, j'ai scanné mon croquis. Alors il y a différentes écoles, il y a des gens qui vont faire des croquis extrêmement parfaits et passer un minimum de temps sur Illustrator. Ouais. Et puis tu as des gens qui vont passer peu de temps sur le croquis et beaucoup de temps sur Illustrator. Ça dépend quel outil tu préfères, en fait. Quel degré de maîtrise tu veux sur tes points. Voilà. Il y a des gens, j'avais fait un workshop avec Jessica Ish, qui est très très renommée. Elle travaille elle a l'idée dans sa tête, en fait. Mm-hmm. Elle travaille direct sur Illustrator à poser ses points et elle avance comme ça, quoi. C'est extrêmement impressionnant. Moi, c'est pas du tout mon cas. Je passe beaucoup plus de temps sur le papier.
Et puis, après, je fais évoluer. À un moment donné, j'ai globalement l'objet sur papier. Donc, ce que je fais, c'est que je verrouille le croquis. Donc, je fais un calque avec le croquis, que je le verrouille. Je crée un. Et par-dessus, je vais venir faire ma première version, en fait. D'accord. Donc, là, je vais poser mes points. On verra après, un peu brut. Après, je vais peut-être poser quelques points pour expliquer la technique que j'utilise. Donc, je fais une première version. Après, je peux même venir enlever. Attends. Enlever le croquis. Et puis, bon, après, moi, j'ai tendance à beaucoup travailler avec le visuel, tu vois, petite taille, grosse taille, pour essayer de voir, gérer un peu les espaces, voir un peu ce que ça va rendre. Le negative et space comme aussi. je ouais et comme je travaille pas mal le versionning, bah tu vois là j'ai un peu, je sais pas ce qui s'est passé sur cette version, mais normalement ce que j'essaye de faire, c'est je fais chaque version est un plan de Et t'as un travail plan de travail, différent, comme ça tu c'est-à-dire peux suivre que ton évolution. voilà, et puis je garde surtout un historique de ce que j'ai fait avant, et donc ça je fais comme ça, et puis j'arrive à ma dernière version, et puis ça c'est la version que je vais utiliser pour la version client, ou si là c'est pour imprimer un sticker. Et ce qui est assez intéressant à voir dans tout ça, c'est que une lettre est égale à un calque. Un calque directement, donc Donc comme en ça t'es fait, j'ai un L, j'ai un E. Alors par exemple, si j'ai différents E, bah, je l'appelle E1. d'accord, A1, ouais, B, tu veux tu E2, tu vois, je les note pour bien qu'ils soient différenciés. Et puis ça me permet, le gros avantage, bah, ça me permet de prendre le L et puis bah, de le positionner, de bouger, de voir un peu comment je vais pouvoir répartir les différents éléments sur le plan de travail, quoi. Ouais. Et donc je bosse globalement comme ça, et je garde, bon, j'envoie pas ce genre de fichier au client. Ce Ouais. que je fais, c'est que ça, c'est ma version de travail. Le client, je n'envoie pas forcément les différentes versions. Ce que je fais, c'est que je fais un copier-coller dans un truc propre, et puis je lui envoie la dernière Juste la version version. Ouais. aplatie. Ben là, c'était pas un projet client, c'était un projet pour un sticker. Et si tu vois, là, tu vois, après, j'ai rempli le. Voilà. C'était, j'ai fait ça D'accord. chez ce sticker mule, et j'ai rempli le truc, et puis j'ai Ouais, directement avec la forme de envoyé découpe, chez avec eux. le. Ouais. Donc, globalement, c'est un peu comme ça que je bosse. Après, ce qui peut être intéressant de mentionner et que je peux essayer de montrer ici, si ça intéresse Vas-y. du monde, c'est la technique que j'utilise pour vectoriser. Ouais, carrément, vas-y. Donc, en gros, on part du principe. Disons que l'outil de base, ça va être le cercle parfait. Donc, D'accord. je commence toujours par montrer ce genre de choses. Je fais un cercle. Ici, je fais un cercle parfait. Ok. Je vais le grossir pour qu'on le voit mieux. Ouais, je Voilà. pense que t'inquiète, on voit en grand. Et en fait, ce cercle parfait, ben, on l'appelle le cercle parfait parce que c'est lui qui a les lignes nickel, quoi. Et sur ce cercle parfait, Alors fais gaffe j'ai parce que t'as oublié pas, de. t'as Ouais, re... voilà. Alors, fais un pomme Z avant parce que tu vas plus te retrouver. Je vais peut-être changer. Enregistre ton document sous un autre nom. Ouais. Ça évitera le ratage. Tu m'en voudras moins si t'as Oh, c'est pas grave, mais. enregistré sous. Hop. Comme ça, au moins, celui-là, il n'est pas perdu. Hein. Hop, je vais faire ça comme ça. Voilà. Toc. Et donc là, j'ai un cercle parfait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un cercle parfait? C'est-à-dire, c'est un cercle qui a ses courbes absolument nickel. On peut pas avoir mieux. Et on remarquera que quand on trace un cercle comme ça, on a nos points d'ancrage au sommet. Donc ici, on a un minimum de points, quoi, hein. Et ils sont au sommet horizontal ici, vertical ici, horizontal et vertical. Et en fait, c'est la base même de la théorie que j'utilise pour placer mes points. Donc on appelle ça la théorie des sommets. Et en fait, quand on va être sur notre lettre, on va placer les points, on va faire un tour de la lettre, et on va placer les points uniquement au sommet, au départ. Donc en fait, et pourquoi? C'est justement parce que bah, si on a un vertical, enfin un point d'ancrage vertical et un point d'ancrage horizontal, on va être plus à même d'arriver à cette courbe De trouver la courbe parfaite. parfaite, ouais, ou la plus belle. Ce qui va jouer aussi, c'est que en travaillant avec le shift,
sur le clavier, bah, quand on va modifier nos points d'ancrage, bah, là on peut travailler de manière un peu plus propre que si on était comme ça par exemple, où là bon, c'est un peu plus difficile toi, de travailler De choisir le bon angle. Donc là on a quelque chose qui vraiment aide énormément. L'autre point super important, c'est que pour avoir une courbe nickel, il faut faire en sorte que sur un même point d'ancrage, on va avoir nos deux tangentes qui sont le plus équidistantes possible. Donc c'est-à-dire qu'il ne va pas falloir faire un truc comme ça et un truc comme ça par exemple. Parce que là on se rend bien compte que bah, ici on voit, si on regarde bien de plus près, on voit que là la courbe c'est, ouais, c'est pas continue, quoi. T'as pas de, t'as donc pas ce qu'on fait c'est qu'on essaye d'avoir les tangentes est assez équidistantes de chaque côté de notre point d'ancrage, et on va faire en sorte aussi que là, les deux tangentes d'une courbe, donc celle-ci et celle-ci, j'agrandis, celle-ci et celle-ci, sont aussi globalement équidistantes. Ouais. Ce que tu vas avoir en fait, là, c'est la décomposition de Bézier. Sur laquelle tu es vraiment au tiers en fait. Quand ta tangente, quand tu as la tangente, les deux tangentes qui sont séparées d'un tiers de la même valeur, là tu as la plus belle courbe. C'est, Et donc on essaye en fait dans le lettrage d'avoir ce genre de faire ce genre de travail. Alors quand on enseigne ça, il y a un gros avantage, donc il y a tous les avantages que je viens de citer, mais il y a aussi un autre avantage, c'est d'avoir un minimum de points. Ouais. C'est-à-dire qu'avec un minimum de points, on est plus à même de modifier les courbes. Ouais. C'est-à-dire que au début qu'on va tracer le path en anglais, c'est le tracé. On va pouvoir le corriger, remodifier un peu les points, retirer un peu les tangentes plus facilement, parce qu'on n'a pas beaucoup de points d'ancrage. Si on en a trop, c'est impossible à gérer, quoi. Donc ça c'est un très très gros avantage. Et donc si je vais là sur mon croquis et que je prends par exemple le haut, donc je vais tracer la courbe extérieure par exemple, donc je prends l'outil plume et je vais en fait tracer, donc j'ai un premier point que je trace à peu près comme ça, donc je commence à tirer un peu de tangente, et je vais placer le deuxième, donc le sommet il va être à peu près par là, donc je vais tirer un peu aussi ici, je vais en bas, je tire le troisième qui est un peu au sommet, toujours avec shift pour rester vraiment perpendiculaire ou horizontal, carrément. Je remonte un peu par ici, j'ai un autre sommet, et puis je ferme mon tracé, hop, ici à peu près. Pour l'instant, je fais comme ça, d'accord ? Ouais. Et ensuite, en fait, ce que je vais faire, je vais... non, c'est pas le bon. Hop. Ce que je fais ensuite, je vais essayer d'épouser ma courbe. Alors là, le plus simple, c'est quand même... De se mettre dans le... D'avoir le contour... Donc je fais un contour sombre, je vire le plein. Et comme ça, tu arrives à le lire. Peut-être pour aujourd'hui, si tu le mets en genre 2 points au niveau du tracé, en épaisseur. Attends, je vais afficher le... Pour être sympa, pour les gens qui sont sur un petit YouTube. Je suis passé en... T'as une page contour, t'as une... Ouais, c'est bon. C'est un peu grossier, mais... Et donc, en fait, ce que je vais faire là, après, je repasse chaque point. On peut même changer la couleur, ça sera un peu mieux. Je sais pas si bleu clair sera mieux. On va mettre un bleu moyen. C'est ça. Voilà. Et donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que j'ai mes 4 points. Et je vais commencer à tracer. Alors, je vais toujours prendre en compte le fait qu'il ne faut pas, par exemple, que là, j'ai un truc super large, une tangente super large, et là, une tangente toute petite. Donc, je vais essayer un peu de garder ici ma cohérence au niveau des tangentes. D'agrandir un peu celle-ci, donc là je suis pas trop mal ici, celle-ci est plus petite, mais là de toute façon on va avoir une longue ligne un peu droite,
Bon, je vais tirer un peu ça pour avoir une belle courbe, mais il va falloir de toute manière que je tire celle-ci. Ouais. Est-ce que c'est les cas où tu te rajoutes un point ou jamais, en fait Alors, moi, j'évite d'en rajouter. Mmh. Mais là, effectivement, on pourrait notamment mettre un par ici. Pour essayer, on peut le faire, d'ailleurs. Non, après, c'est vraiment une question. Pour le coup, c'est... Ouais, non, mais moi, j'ai vraiment, honnêtement, j'essaye de minimiser un max, quitte à pas utiliser la forme que j'ai sur le croquis, c'est la modifier. Oui, donc tu réadaptes quand même. Je suis assez dictateur sur le nombre de points. C'est l'ère du post-script. Mais, si on parle de ça, mais il y a des mecs sur Instagram, dans le lettrage, qui se font des concours à eux-mêmes à poster que des points d'ancrage horizontaux. Donc en fait, ils postent leur lettrage que des tangentes comme ça. D'accord. Et ça n'a pas grand intérêt, mais c'est sympa de montrer tout ça. Donc là, par exemple, on a à peu près notre truc. Donc on essaye de voir... J'essaye toujours de voir que mes tangentes ne sont pas trop disproportionnées d'un côté. Donc là, on a une forme assez particulière. Donc forcément, ce point d'ancrage-là va être un peu différent. Il y aura peut-être besoin de le retravailler ici pour éviter un peu cette droite. Mais globalement, c'est comme ça qu'on va bosser. Et pour les autres lettres, par exemple, là j'ai une lettre avec des arêtes. En fait, on a les sommets. On va utiliser les sommets et les arêtes. Donc ici, par exemple, donc si je crée un autre calque, parce que je ne mets jamais deux lettres sur un même calque. Bon, là, par exemple, je vais commencer à placer mes points ici... Pour l'instant, je vais faire comme ça. Vu qu'ici, je ne vais pas vraiment avoir de sommet sur la plupart de la lettre, je place juste les extrémités. Ici, j'ai quand même un sommet. Donc, je vais tirer un peu. Ouais, qu'il soit concave ou convexe d'ailleurs. C'est ouais, pas... exactement. Ici, je remets. Voilà. En gros, j'arrive à une première version comme ça. Et ensuite, je vais tirer mes tangentes en fonction des courbes que je veux avoir. Donc ça, c'est vraiment... C'est, en fait, la vectorisation de lettrage, c'est pas très compliqué. Il faut juste utiliser les bonnes manières. Parce que si on a tendance à mettre trop de points d'ancrage, il y a beaucoup de gens, ils disent « Ah, j'arrive pas à avoir un truc nickel, mais ça va pas, quoi. » Et ils ont l'impression que leur croquis est 100 fois mieux que ce qu'ils pourraient avoir... vectoriel. Parce que tout ce temps qu'ils ont passé à affiner, il y a beaucoup de frustration. Et ce qui a aussi, ce qui est assez difficile aussi quand je fais les ateliers, c'est que tu as des gens qui ont déjà leurs habitudes. Ils n'y arrivent pas, mais ils ont leurs habitudes. Ils ont leurs habitudes, donc ils ont du mal à s'en départir. Complètement. Et donc, du coup, c'est toujours. Moi, j'ai appris vraiment. La vectorisation dès le départ avec comme ça, donc j'ai pas vraiment de problème. Je me souviens, j'avais acheté un bouquin de Von Glitschka tout à fait. Sur la méthode de l'horloge, où en fait il disait tu positionnes comme par exemple sur le haut, tu viens positionner l'horloge, si le haut est incliné par exemple, tu positionnes l'horloge de manière inclinée, et tu viens poser les points à midi, 3h, 6h, 9h. Donc en fait, tout est incliné, et c'est pas bête comme méthode, c'est même bien, mais ça peut devenir super complexe. Quoi. Faut réajuster derrière. Et donc moi j'ai appris comme ça, et ça marche bien. Et finalement, quand on regarde après, si j'enlève ces deux calques et que je rajoute ma vectorisation qui du coup a un peu sauté. En fait, c'est ton calque croquis qui a bougé tout à l'heure. C'est lequel? C'est le croquis en fait. Le dernier, tu sais, quand tu l'as déverrouillé, tu l'avais attrapé. Ah ouais, tout à fait. Bon, enfin, c'est pas trop méchant, mais là, on voit ici que bon, j'ai tracé que 4 points, tu vois. J'en ai pas rajouté un. Et ici, j'en ai fait 4 aussi. Et si on prend le T par exemple, le T, on a un point ici qui va avoir des grosses tangentes. Et il y a vraiment un minimum. Là, j'ai un sommet. Là, j'ai un sommet. Là, j'ai encore un sommet ici aussi. Et voilà, on fait tout. Le C, c'est pareil, tu vois. C'est même paraître bizarre des fois parce que là, la courbe est un peu plus complexe. J'en ai un là. Et puis après, des points d'ancrage. C'est vraiment service minimum quoi, en termes de. Il y a une question d'Hyperly qui dit pas d'utilisation de l'outil courbure d'Illustrator. T'as déjà joué avec ou pas plus que ça? Moi, je suis
Je reste sur les fondamentaux de base, tu vois. Ouais. Et là, pour le coup, je parle de ceux qui ont leurs habitudes et qui ont du mal à les changer. Bah, moi, c'est un peu ça. J'ai un peu du mal à changer. À passer, j'ai une manière de travailler qui me convient. Ouais, carrément. Et qui est assez rapide maintenant. Donc je reste là-dessus. Et je regarde vraiment ce qui se passe. Comment les différentes évolutions se passent. Parce qu'il y a peut-être des choses qui pourraient me faire... Mais moi, j'ai vraiment une utilisation basique. J'ai toujours eu du mal à être un tooler, comme on dit. que ce soit Photoshop et Illustrator. Donc, j'utilise... Je cherche pas vraiment... j'ai un process qui fonctionne bien. Je le garde en fait, ce qui est peut-être pas forcément une bonne idée, mais après de toute façon, si ça marche, il y a pas de raison de changer. Pour ceux qui se posent la question, qu'on parle de l'outil courbure, c'est l'espèce de plume avec un petit filet. Il existe en plus sur Illustrator, sur Photoshop maintenant, pour tous. C'est le truc qui était assez rigolo dessus, c'est qu'on a vraiment plus qu'un seul outil pour placer les points, et du coup par défaut, il nous met les courbes les plus justes, et il va réajuster. Alors le truc, c'est souvent on me dit ouais, mais regarde là, si j'ai besoin d'une droite, qu'est-ce que je fais? Double clic et je suis arrivé sur une pointe. Et moi, je vais m'en servir en fait tout le temps en duo, c'est-à-dire qu'il va y avoir à la fois mon outil courbure, hop, on va se mettre en transparence sinon on verra rien, et à la fois l'outil de concepteur de forme qui me permettra beaucoup plus facilement en fait de virer des morceaux de mon tracé. C'est vraiment pour ce genre d'usage. Après, je sais que ça fait hurler des mecs comme toi. Et tu vois, là, on utilise un minimum de... Bon, les points ne sont pas forcément placés nickel comme moi je ferais, mais tu as quand même l'utilisation d'un minimum de points. Tout à fait. Oui, non, c'est-à-dire que moi, j'aime bien garder la main, être un maximum manuel. C'est un peu comme en photographie, finalement. Le mode manuel, voilà, il y a plein de trucs qui peuvent t'aider. Et c'est clair que le mode manuel, c'est peut-être ce qu'il y a de plus complexe. C'est complexe au premier abord. Mais finalement, une fois que tu es habitué... Une fois que tu le maîtrises, tu maîtrises ton outil, tu as plus... difficilement la possibilité de changer quelque chose. Carrément. Voilà. Alors, si vous avez des questions, justement, sur ça, sur le process, n'hésitez pas. On est là pour ça, on est là pour profiter du live. Ouais. Tout à fait. Ok, donc là, première étape de Vecto, donc les points, les courbes avec le minimum de points et idéalement à l'horizontale. Ouais. Et alors en fait, après, si on parle lettrage pur et dur, ce qu'on va essayer de faire, c'est de gérer, de faire en sorte que le contraste, les formes des lettres soient plutôt homogènes. C'est-à-dire qu'on va avoir... Le but, c'est de garder une idée de bloc. Donc il faut que ça soit homogène. Ce qu'il va falloir donc gérer aussi, c'est les espaces, faire en sorte que les espaces entre les lettres, qu'on n'ait pas des problèmes de spacing ou de kerning, comme on dit. Donc ça, on va en parler un petit peu après, je pense, avec FrontSelf, du spacing et du kerning, ça sera plus simple pour expliquer. Il faut garder cette homogénéité, faire en sorte que les lettres soient à peu près sur le même axe, et d'une épaisseur assez similaire, et puis voilà, le tour, globalement, le tour est joué. C'est pas très très complexe, hein. C'est pas un outil, la vectorisation est pas quelque chose de très compliqué. Là, je parle un peu de fondamentaux du lettering. Ça, on le fait aussi dès la phase croquis. Donc on va faire en sorte que tout soit bien... bien calibré, bien équilibré. Bien homogène. J'utilise, dans mon bouquin, la terminologie, la méthode Tetris. D'accord. Donc faire en sorte, comme moi j'aime bien les styles imbriqués, de faire en sorte que tout soit globalement bien imbriqué les uns avec les autres. Même si tu utilises un style assez classique, il faut faire en sorte que tu ne te retrouves pas avec des trous ou avec... des blancs quelque part, c'est le plus important. Donc voilà, en gros, si vous avez d'autres questions sur ce genre de choses, faut pas hésiter. Mais ça a l'air globalement d'être... c'est ce qu'il faut savoir. Y a un avantage qu'on voit pas dans ce je regarde si j'ai ça quelque part, qui peut-être aider, mais j'ai pas regardé, donc c'est peut-être pas non, sur ce genre de choses. Là, par exemple, sur ce genre de choses, c'est un autre travail que j'ai fait à un moment donné. Là, c'est pareil, tous les points sont
enfin, chaque lettre est isolée sur son calque. Ouais, ouais. Encore là, c'est mal rangé. Bravo. Et en fait, ça permet de bouger un peu tout ça et de venir équilibrer. On voit là, par exemple, qu'il y a des choses. J'ai re-regardé celui-ci il n'y a pas longtemps. Ouais. Il y a encore des choses à améliorer, c'est marrant, mais je trouve toujours des trucs. Ça, de toute façon, tu vas savoir. Il faut améliorer, c'est un peu. C'est pas toujours facile, parce qu'il faut livrer à un moment donné. Mais bon, on arrive à. Ouais, chaque. Là, ce que je voulais essayer d'expliquer, c'est que. Et qui est pas mal sur ce document. Ouais. C'est que, par exemple, on ne va pas utiliser un calque pour la lettre, on va utiliser un calque par forme. D'accord. Et en fait, ça permet juste de déplacer certains éléments, les éloigner, les rapprocher. Et sur certains lettrages, on va avoir des liaisons entre les lettres. Mmh. Et ça va vraiment te permettre de travailler chaque moyen, enfin, chaque élément, chaque forme, de manière indépendante. Mmh. Ça, c'est là où le croquis est assez limité. Et où moi je passe vite à la vectorisation, ouais. C'est que j'ai pas envie de passer mon temps à avoir le croquis nickel. Je sais qu'il y a certains éléments, je vais pouvoir les améliorer hyper facilement avec Illustrator. Et aussi, je vais pouvoir voir certaines choses ou tester certaines choses ouais. Que je vois pas forcément avec le croquis, que je vais pouvoir tester là sur Illustrator. Un truc aussi que je fais assez souvent, là on n'a pas l'exemple, mais je fais un versionné avec une version à l'envers. Ouais. Et comme souvent pour les logos, une version blanche sur fond noir. Ouais, ouais, ouais. Donc la version blanche sur fond noir, on va avoir cette impression que le lettrage est un peu plus épais. Donc il va falloir peut-être travailler un peu les espaces. Voilà, ouais. Tout à fait. Trouver un juste milieu, en fait, entre les deux versions. Et la version renversée, on va dire, que je mets à l'envers, va permettre d'oublier la lettre, de ne voir que les formes. Et de se dire, bah là, tu vois, cet endroit-là, il y a peut-être un petit blanc, un petit problème d'espace. Ouais. Donc, on va retravailler. Et des fois, je m'amuse même à le garder à l'envers, le retravailler à l'envers, le remettre à l'endroit pour voir ce que ça donne. Quoi. C'est marrant, parce que ça me fait penser aussi à ce truc qu'ils ont mis dans Photoshop, où tu vois ton image en miroir, tout à fait, ouais. Directement dans la carte graphique, alors que tous les mecs qui dessinaient faisaient leur... Exactement. Tiens, j'y pense en te voyant, tu sais, espacer ton N et ton K là, entre les deux. Ouais. Est-ce que tu connais ou tu utilises le panneau propriété dans Illustrator? Parce que c'est un panneau qui est arrivé il n'y a pas très longtemps. En gros, sur toutes tes infos, quand tu as un tracé, tu vas avoir la transformation, l'aspect et tout. Et ce qui est peut-être moins connu et qui pourtant pour moi est fondamental sur ce panneau-là, c'est que si je lui demande, si je prends ma flèche de sélection et j'appuie sur le fond, je vais me retrouver dans les propriétés du document et je vais retrouver surtout le point le plus important pour moi, l'incrément clavier. Ouais. Et donc c'est un truc qui était perdu dans un fin fond de préférence derrière, et là il est accessible directement à la main, ce qui fait que tu vas pouvoir choisir de combien tu déplaces. Super. Et Johan posait une question sur la manière d'étendre ensemble les poignées. Par exemple, j'ai envie de garder la valeur, par exemple je veux un tiers, deux tiers sur cette courbe là, comment je vais pouvoir les étendre? Moi je le ferai en sélection directe, flèche blanche, et faire S comme la mise à l'échelle, voire du coup R pour la rotation, et là vous allez vraiment conserver cette distance là. Ouais. Tout à fait. Ça peut servir. Ouais, bien sûr. Ça c'est bien. Et après, ça va être la méthode pour les vectorisations nickel, quoi. Ça m'arrive d'utiliser aussi la vectorisation dynamique. Ouais. Justement pour la. Ne serait-ce que pour dégrossir. Pour garder un aspect un peu plus brut. Ouais. Et ce qui est marrant, qu'on va peut-être voir avec FontSelf, c'est que tu dois garder un minimum de points. Faut pas dépasser les 1000 points pour un caractère, à peu près. Donc quand tu fais de la vecto dynamique, tu as tendance à exploser. Donc c'est le genre de choses qu'il faut bien maîtriser, et notamment avoir les paramètres au départ, avec un minimum de... Enfin, moi, je travaille sur les couleurs, essayer d'avoir un minimum de points. Ouais. J'ai remarqué que quand tu passes de 100% des points à 0%, il y a un endroit, un endroit où tu gardes à peu près ce que tu veux, tout en minimisant le nombre de points. Donc, carrément.
Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça, pour le coup, je sais aussi que dans le menu objet, tracé, simplification, ouais. Ils ont beaucoup amélioré en fait l'algorithme derrière. C'est-à-dire que c'est pas visible, on a toujours le même slider, ouais. la même glissière, mais on va pouvoir beaucoup plus facilement affiner et conserver. Ouais, je l'ai pas mal utilisé au début parce que je me suis un peu fait avoir. Alors ça, c'est un truc qui est assez intéressant à raconter, c'est que j'avais jamais fait... J'ai commencé le type design il y a un an maintenant, et j'ai pris des cours à l'université de Bâle pour apprendre Glyph, justement. Mmh. Donc tu travailles sur une typo relativement classique, et tu noir, et sur des courbes nickel. Mmh. Moi, je suis arrivé, et d'ailleurs, on était plusieurs créatifs à arriver pour travailler avec FontSelf là-dessus. On est arrivé avec une police, avec des contours dégueulasses, limite crayon, tu vois, et avec de la texture. Et on s'est amusé à vectoriser ça. Sauf qu'on est à 3000 points et trucs comme ça, et FontSelf, la vignette... FontSelf, la vignette. Enfin, le plugin lance un message d'alerte. En disant qu'il va y avoir vraiment trop de bazar dessus. Voilà, il faut éviter de dépasser les 1000 points. Et il donne des conseils. Des conseils sur la simplification, sur le... Voilà, ce que tu disais juste avant. Mmh. Et là, on s'est rendu compte. Donc, c'est un projet, enfin, la typo que j'ai fait, c'est un projet qu'on a fait d'une certaine manière avec France, notamment. Mmh. Ouais. Parce que eux m'accompagnaient pour m'aider, on faisait de l'échange de bons services. C'est-à-dire que lui m'aidait sur des points qui me posaient un peu problème, et puis moi, je leur faisais un feedback sur ce que je trouvais qui fonctionnait bien et ce qui fonctionnait un peu moins bien. Carrément. Et donc, on a réglé quelques bugs, notamment, et tout. Donc ça, c'était assez, assez sympa. Mais au début, j'étais tout heureux à me dire « Oh, j'ai fait un super truc avec de la texture et tout ». Bah finalement, il a fallu un peu... Il a fallu calmer tes ardeurs sur la texture. Après, c'est vrai que FontSelf, là, on en parle beaucoup sur Illustrator, mais il existe aussi sur Photoshop. Pour les gens qui veulent faire de la typo au crayonné, avec du lavis, de l'aquarelle ou autre. Exactement. Mais ça, on en a discuté aussi. Mm-hmm. Et finalement, moi, je suis parti, j'avais la possibilité de partir sur une typo qui passe par Photoshop. Ouais, ouais. Sauf que tes caractères, chaque caractère prend un poids énorme. Forcément, c'est pixelisé. Donc ça veut dire que vu que c'est pixelisé, tu as une limite dans l'utilisation. Et donc, vu moi ce que j'avais par lettre, France me disait, mais tu vas avoir une police, ça va faire une taille monstrueuse. Donc on a essayé quand même de passer par Illustrator et de faire les choses un peu plus simplement. Ouais. Carrément. Alors, au passage, pour ceux que ça intéresse, sur la chaîne YouTube Adobe France, vous retrouverez cette session avec Franz où il représente intégralement FontSelf, parce que pour moi, c'était un des outils les plus amusants autour de la typo sur Illustrator. C'est juste un plaisir. C'est vraiment génial. Ouais. C'est, j'ai beaucoup de plaisir. Tu nous en montres un petit bout ? Ouais. Allez. Alors, donc, je vais vous montrer deux trucs sur lesquels j'ai bossé. Alors, je vais chercher ça. Alors, Tom nous pose une question à laquelle tu avais répondu un petit peu plus tôt. Pour la phase croquis recherche, tu utilises des brush pen avec un trait de calligraphe ou tu fais du dessin de lettres? Et je pense qu'il y avait les deux. Alors, tu parlais croquis qui utilise des brush pen avec un trait de calligraphe. Alors, je fais principalement du dessin de lettres, mais j'utilise également le parallèle pen. Si on va sur... si tu as le temps de passer sur Bien mon sûr. Compte Instagram, comme ça, je vais commencer par ça. Ouais, vas-y. Sur le compte Instagram, tu peux voir, si tu descends un peu, on va voir, je vais vous montrer ce qui s'appelle Sandro. Donc là, tu remontes un petit peu. Voilà, donc là, j'ai commencé, remonte encore. Là, on voit... non, c'est pas celui-ci. Remonte encore un petit peu, peut-être. En fait, voilà. C'était celle-là, c'était la bonne. Celle-là, ouais. Donc là, j'ai commencé ce travail-là sur croquis. Mm-hmm. Donc c'est la personne dont on parlait tout à l'heure qui s'appelle Sandro Simeoni. Ouais. Donc j'ai repris un peu des lettres qu'il utilisait. Il faisait des lettrages pour les affiches de cinéma italien. Ouais. Donc j'ai repris un peu des styles de lettres qu'il utilisait. Donc j'ai commencé à bosser sur papier principalement.
Et puis après, j'ai pris le Parallel Pen. Bon, ça, c'est... C'est la version iPad. C'est la version sur iPad. Parce que après, j'ai travaillé sur iPad. Mais si on remonte, normalement... Bon, ça, c'est ce que je vais montrer après. Ouais, tout ça. Mais c'est peut-être un peu plus bas. Alors, je ne suis pas sûr... Attends, est-ce qu'on est plus haut ou plus... Si, là, par exemple, ouais. Si tu vas ici. Voilà, j'ai bossé avec le Parallel Pen sur des A pour essayer de travailler des A minuscules. Et là, on appelle ça du reverse contrast. Donc, en fait, les contrastes sont à l'horizontale et non à la verticale, comme souvent. Mm-hmm. Et là, j'utilise le Parallel Pen. Donc là, principalement, ça va être du dessin et un peu de Parallel Pen. J'utilise pas de plumes spécifiques autrement. J'en ai quelques-unes, mais ça reste principalement autour de ces deux éléments-là. Quoi. Pour revenir donc à ce que j'appelle le projet pour l'instant que j'appelle Sandro. Mm-hmm. Alors en fait ce que j'ai fait, j'ai fait mon alphabet. Alors en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai tout dessiné. J'ai tout à passer sur l'iPad ensuite pour faire une version ancrée. Donc l'ancrage je l'ai fait sur l'iPad. J'ai tout transféré sous Illustrator. Et sous Illustrator, j'ai fait de la vectorisation dynamique pour garder un peu ce côté brut qu'on a là. Ensuite, ce que j'ai fait, on va ouvrir Font Self. Mm-hmm. Alors, je ne sais pas s'il va me l'ouvrir avec la bonne typo, sinon je vais le changer. Donc ouais, Font Self, c'est un plugin, il vaut 50 $, 50 euros je crois, même pas, ou 49 €. Ouais, 49, ouais. Et il fait tout, c'est assez magique. Et justement, la méthode que tu présentais tout à l'heure sur un calque par lettre, elle va être importante, parce que alors sur la plupart des lettres, vous n'allez pas vous en rendre compte, mais par exemple sur le I, le J, où vous avez deux formes, c'est important de pouvoir décomposer complètement tout ça. Alors je regarde quelle version j'ai ici, normalement. Voilà. Donc en fait, comment ça se passe, c'est super simple. Donc Font Self a une petite grille. Alors, il y a l'update, mais on la fera plus tard. Donc il y a le live preview. Donc en fait, on peut travailler les tailles différemment. Hein. C'est assez simple. Et ici, on a notre alphabet. Ouais, parce que chaque signe était nommé, en fait, il a réussi à les retrouver. Ouais. Donc en fait, je vais montrer un peu comment ça se passe. Donc là, en fait, voilà, j'ai tout mis dans les minuscules, mais par exemple, je vais prendre un A, comme ça. Je vais le prendre et je vais l'amener par-dessus. Et là, je vais... Alors, un caractère particulier, du coup. Donc j'arrive là, hop, je l'importe. Il atterrit ici, et puis je vais le nommer. Je vais mettre A majuscule. Hop, et ma lettre est créée. Donc là, il va apparaître ici en A majuscule. Tu vois, j'ai même un H majuscule, j'en suis à ce niveau-là. Et donc, en fait, ma lettre est enregistrée, elle est là. Donc si là, par exemple, je tape un truc avec un A majuscule, ma lettre est déjà créée. D'accord. Donc ça, ça permet... Alors, ce que j'ai trouvé super fun, c'est que j'ai fait sur iPad, ça m'a pris... vraiment à tout casser 2 heures. Ouais. J'ai tout importé dans Illustrator. Mmh. J'ai tout vectorisé dynamiquement. Le but, c'est pas d'avoir une typo finie tout de suite. Ouais, ouais. Le truc, c'est de pouvoir jouer avec les lettres, voir les mots, voir les lettres qui fonctionnent bien, celles qui fonctionnent pas. Donc en fait, ce qui est super là avec Font Self, donc je vais agrandir un petit peu, c'est que bon, là, j'ai mes lettres. Là, je vois à peu près l'alphabet. Ça se passe plutôt pas mal. Mmh. Il y a un petit onglet là qui s'appelle Advanced. Ouais. Et là, on va gérer tout ce qui est spacing et kerning. Ouais. Alors, la différence entre spacing et kerning, donc là, déjà, j'ai un visuel. Ouais. Tu sais que tu vas pouvoir t'en servir pour du ça, texte. Ça, c'est super, parce qu'ils ont préparé des paragraphes entiers. Et donc, du coup, je peux voir un peu ce que ça donne. Mmh. Et en fait, ce que je fais, moi, dans mon process, c'est que je grossis à peu près comme ça. Et puis, je vais passer les lettres une par une. Mmh. Et puis je vais me dire, là mon U, mon J et mon U, ça fonctionne pas forcément bien. Mon F, il est un peu de travers. Et je vais retravailler un peu les lettres comme ça. Ouais. Et j'utilise Font Self même à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on pourrait dire qu'on va travailler toutes les lettres et tout importer au dernier moment. Ouais. Moi, j'importe tout direct et je rebosse les lettres après. Et ce qui est bien, c'est que
Bah, FontSafe est bien prévu pour. Bah, tu leur mets par-dessus, ça va venir soit remplacer la lettre, soit tu peux créer ce qu'on appelle une alternative. Donc tu peux garder tes deux lettres et après pouvoir. Je peux montrer après vite fait avec Farandole. Tu peux pouvoir modifier, enfin travailler avec deux, trois lettres différentes et puis à la fin choisir celle que tu veux garder, quoi. Et alors ce qui est bien, c'est qu'on peut travailler. Bon, là on n'a pas les majuscules et minuscules, donc c'est un peu différent. Mais c'est vraiment un outil pour ça qui est génial. Et donc ça, c'est Sandro sur lequel je bosse. Ce qui peut être super à voir aussi, qui fonctionne, je ne sais pas pourquoi j'ai fermé FontSafe. Donc là, la celle que je vais sortir bientôt, c'est Farandole. Donc Farandole, c'est une typo, enfin une police couleur. Donc je vais ouvrir la version la plus aboutie. On va redire alors, la 0.12, ce qui est du versionning aussi sur les. Sur les Donc là, versions on est sur Farandole. Donc on a les caractères spéciaux. Donc le minimum des caractères spéciaux, j'ai envie de dire, les chiffres, les majuscules et les minuscules. Ce qui est super dans ce genre de choses, c'est que par exemple, donc je vais créer, on parlait des alternatives. Donc par exemple, là j'ai deux quatre différents. Par exemple, si je tape un texte en disant 1, 4, pourquoi ça s'affiche pas? C'est bizarre ça. Est-ce que t'as un 1 ou est-ce que t'as un. Je sais pas. Là ça marche. Donc par exemple, je fais le 4. Non, je fais le 4 comme ça. Bon, on va voir si ça marche là. Non, ça marche pas ici. C'est bizarre. Il n'y a pas une espace qui s'est insérée bizarrement. Je sais pas. Enfin, c'est pas grave. Je vais essayer après avec. Je vais montrer après dans l'autre écran. Donc là, on a tout. On passe en mode advanced pour le spacing et le kerning. Et là, j'ai toutes mes lettres. Et là, c'est là où je vais travailler. Alors, d'un point de vue process, comment ça se passe? Un, on va rentrer tous les caractères. Pour savoir si on en a oublié, on va dans le mode advanced, par exemple. On a les caractères spéciaux. Donc là, on voit que j'en ai fait un minimum. Il y en a encore plein d'autres à ajouter. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer une première version, genre la 0.1. Et je vais faire un peu à la future font. C'est-à-dire que je vais améliorer et ajouter des styles au fur et à mesure. Au fur et à mesure, donc les gens qui vont acheter la police dès le départ, ils auront toutes les updates gratuitement. Donc en fait, on rentre tous les caractères dès le départ. Et ensuite, on a deux étapes. On a l'étape spacing et l'étape kerning. L'étape spacing, c'est celle-ci. Donc là, on voit, ici, on a spacing et ici, on a kerning. Donc, comment ça fonctionne? Alors, c'est assez. On va passer en minuscules. Donc, en fait, FontSafe fonctionne par couple, on va dire, de lettres. Donc, au départ, tu vas spacer, enfin, tu vas créer les espaces. Pour les lettres de base, ça va être le N et le O. Pourquoi le N et le O? Parce que le N est une lettre qui est à gauche et droite et qui est semi-arrondie, on va dire, à droite. Et le O est une lettre arrondie à gauche et une lettre arrondie à droite. Donc on part du principe que si tu fais un bon spacing pour le N et pour le O, tu vas pouvoir effectuer le même spacing sur l'ensemble de ta sur l'ensemble des lettres qui ont ces formes-là, quoi. Donc, on fait déjà le spacing du N avec le N. Donc, on va mettre des premières données. Donc là, je les ai ici. Donc, c'est 20, 19 et à droite, on a tous les spacings de toutes les lettres. On a même la largeur de la lettre. On fait pareil avec le O. Donc, le O, on voit qu'à gauche et à droite, j'ai le même espace, vu que la lettre, elle a la même forme de chaque côté. Et que ici, on a, par exemple, ici, on a un 18. On va avoir un peu plus d'espace sur une courbe comme ça et encore un peu plus d'espace sur une courbe droite. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mixer les deux lettres et on va améliorer un peu le spacing par rapport à ces deux lettres. Et ensuite, on va défiler tout l'alphabet avec le avec N la lettre et tout l'alphabet avec le O. Ensuite, avec le O, on va le faire au fur et à mesure. C'est-à-dire que déjà, tu le fais avec le N. FontSafe te propose déjà tout avec le N. Ensuite, tu passes
dans l'écran du dessous, et tu vas voir un peu ce qui décolle. Comment ça danse, comment ça... Donc à partir de là, tu peux retravailler un peu le spacing, mais bien souvent, ce qui va se passer, c'est que tu vas faire du kerning. Ouais. Donc le spacing, c'est un espace devant et un espace derrière, l'espace d'une lettre, devant et derrière, quelles que soient les lettres que tu as autour. Mm-hmm. Et le kerning, ça va être, ben, on va travailler l'espace spécifique entre deux lettres. Ouais, ouais. Donc là, on travaille sur les lettres minuscules, mm-hmm. les lettres majuscules. Donc on a le même concept pour les lettres majuscules. Là, ça permet de voir un peu ce que ça donne. On a le mix entre les minuscules et les majuscules, mm-hmm. les caractères spéciaux et tout ça. Et après, on a le kerning. Et là, le kerning, bah, en fait, ça va être les espaces. Donc il nous propose toujours des visualisations des espaces entre les lettres. Et là, on va pouvoir dire, bah, entre le K et le O, je vais faire un espace spécifique. Ouais. Donc, qui va profiter ici, d'avoir une convexe, une concave, voilà, par exemple, et les imbriquer un peu plus. Par exemple, voilà, exactement. Ici, on va aller travailler. C'est souvent le cas avec un T majuscule. Mmh, bien sûr. Et puis une lettre minuscule. Qui laisse un espace énorme en dessous, voilà. Alors qu'en fait, toi, tu as besoin de... Donc là, on va la rapprocher pour faire que l'ensemble soit homogène. Mmh, ouais. Et ici, à droite, bah, on voit toutes les exceptions, en fait. Mmh, donc là, moi, j'ai 382 paires de lettres. 382 exceptions. Ouais, alors au début, je disais à Franz, c'est que des espaces négatifs, ouais. Hein. C'est que des espaces négatifs de manière générale. Et un petit peu positif aussi, mais franchement pas beaucoup. Et je disais à Franz, 382, c'est énorme. C'est sûrement beaucoup. Ouais. Et en fait, finalement, pas forcément, parce que ce qu'on veut au final, alors il y a des gens qui vont être très pointilleux, qui vont revenir sur le spacing, mm-hmm. mais il faut savoir que changer un espace sur une lettre, ouais. va avoir une incidence sur tous les espaces que tu as. Par exemple, tu changes l'espace avant le C, mm-hmm. bah, va falloir que tu vérifies avec toutes les lettres que cet espace est bien contrôlé. Donc mm-hmm. du coup, c'est un peu compliqué, quoi. Ouais, bien donc sûr. Moi, j'ai misé plus sur le kerning, et donc au final, on arrive avec cette version-là. Donc il y a trois versions. Il y a une version simple fermée, il y a une version, si je vais la chercher, alors il y a une version open que je vais montrer après. Il y a la version que j'appelle illustrated, donc celle-ci avec du motif dans chaque lettre en plus. Je vais montrer. Voilà. En fait, ce qui se passe ici, c'est qu'il y a un petit motif dans chaque lettre. Ouais. Et la version que j'appelle open, qui est ici, et qui, elle, bah, en fait, j'ai ouvert les contreformes. Mmh. Tu vois. Et c'est assez marrant parce que j'ai pas conçu la police en pensant aux contreformes. Quand tu gères les espaces, il faut les prendre en compte, et j'en avais pas. Donc, je les ai pas utilisés. Mais j'ai quand même créé la police en gardant... Alors ça, c'est un truc qui est génial. C'est qu'ici, on a un truc qui s'appelle Import Spacing. D'accord. Donc j'ai créé la première version. Et pour les deux autres versions, bah, j'ai réimporté le spacing. Comme ça, tu n'as pas eu à refaire le même voilà. travail. Parce que je sais qu'ils ont déjà aussi tout un truc sur l'auto-spacing, auto-kerning, qui facilite un peu le travail. Ils sont en train de bosser sur les algorithmes dessus, là-dessus. Ouais, ouais. Et aussi, le fait de pouvoir justement appliquer... quand tu veux faire ton premier kerning, ton premier crénage, parce que crénage, ça discute curling dans le chat, curling, donc c'est bien kerning, K-E-R, pour ceux qui cherchent, et de pouvoir le dupliquer au départ pour être sûr d'avoir au moins une base saine tout à pour fait. Travailler. Ouais. Ce qu'on voit aussi là, parce que du coup, tu es en train de créer une typo couleur, ouais. Les typos couleurs, donc elles sont acceptées dans certaines applications et pas encore toutes d'ailleurs. Non, pas beaucoup même. Mais c'est vrai que ça donne vachement d'idées. Et ce qu'on voit aussi, c'est que sur le texte, du coup, le rythme que tu vas donner à tes lettres, non seulement tu vas gérer les espacements, mais en plus, tu vas devoir commencer à penser au rythme entre deux couleurs successives, pour que quand tu as des doubles lettres... Ouais, alors ça, j'avoue, j'ai un peu de bol. un peu. Au début, j'ai pas travaillé ça. Ouais. Mais ce que je suis en train de faire... c'est de faire des alternatives. Mmh. C'est-à-dire créer, par exemple, si tu as un mot, on va prendre un mot, par exemple, là, on a le blue, tu as deux roses à la suite. Ouais. Ici, je ne pense pas que je puisse le faire, mais je vais créer un L bleu, ou bleu clair, ou bleu foncé.
Comme ça, tu vas pouvoir venir modifier carrément au fur et à mesure. Pour pouvoir rythmer, c'est-à-dire avoir tes trois couleurs sur chaque déclinaison et peut-être faire tourner. Et même la possibilité, vu que ça va être. Je ne sais pas si je l'ai ici, mais vu que c'est des styles, en fait, si j'ouvre un nouveau document. Je sais pas si je l'ai intégré déjà. Alors, il y a Jean-Loup qui nous dit, est-ce qu'il est possible de créer des ligatures et des variantes contextuelles? Ouais. Alors, les ligatures, oui, carrément. Les ligatures, oui, mais pas les variantes contextuelles. Ouais, variantes contextuelles, pas encore. Je sais que moi, c'est une demande que j'avais faite à Franz aussi. Ah, toi, je l'ai pas. Pour qu'on puisse le gérer. En fait, ce qui va être possible, c'est c'est une police avec trois styles différents. Ouais. Donc, tu peux aussi mixer les styles. C'est-à-dire que tu peux avoir une lettre ouverte, une lettre avec le motif et une lettre fermée. Tu peux mélanger un peu tout. Mais non, il n'y a pas... Il n'y a pas de contextuel. Ouais. Ligature, oui, ça, je vais en faire. Ça sera dans la prochaine version. Je vais en faire quelques-unes, parce que j'adore ça. Et puis, les variantes contextuelles... C'est chaud, c'est-à-dire être sûr que, en fin de ligne, ton E, ce sera toujours tel E, etc. Ouais. Alors, moi, j'utilise encore Glyph pour ça. Ouais. Notamment sur une police que je suis en train de... En fait, je suis en train de créer une police avec un cadre autour... Et du coup, tu es obligé d'avoir les adaptations. En fait, par exemple, c'est Fina, Fina et je sais plus pour ouvrir. En fait, ce qui fait que quand tu vas être la première lettre, va toujours avoir le cadre qui s'ouvre. D'accord. Les autres vont juste avoir le dessus et le dessous. Mmh. Et la dernière lettre, quand tu auras fini, ça se ferme. Ouais, ouais. Et ça, c'est il y a un peu de code quand même à faire. Et ça, je sais pas, je veux pas parler à la place de France. Je pense qu'ils veulent travailler ce côté-là, mais ils veulent aussi simplifier le travail pour les gens qui utilisent FontSelf. Donc on parlait d'auto-spacing et de choses comme ça. Ils travaillent beaucoup là-dessus pour simplifier le travail de spacing et tout. Donc je sais pas dans quel ordre ils vont vouloir intégrer les variantes contextuelles. C'est quelque chose... discuter avec directement avec eux, France, bien sûr. Est-ce que j'ai encore des bouts de FontSelf ici, parce que je sais que j'en avais fait justement avec le panneau glyph et avec des mélanges. Est-ce que j'ai que les chiffres sur celle-là, zut. Donc j'ai pas toute la partie où on va avoir juste besoin de lui dire, voilà, je veux mettre la marque au milieu de la typo, je veux mettre le logo au milieu de la typo, je vais pouvoir prendre mon logo en couleur et dire, quand tu tapes ma marque, ma marque est remplacée directement par par la bonne série d'images. Il y a un truc aussi auquel je pense, c'est le changement des couleurs. Mmh. Alors c'est encore un problème aujourd'hui, c'est-à-dire que... aujourd'hui, là, par exemple, Farandole, et elle est bleue et rose. Ouais. La personne qui va vouloir mettre du vert et du rouge va devoir transformer la police en vectorisation dans Illustrator et aller changer les couleurs manuellement. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre manière pour l'instant de faire. Le seul hic avec ce que j'ai fait, c'est qu'il y a de la superposition. Ouais. Donc en fait, il va falloir changer à la fois les deux couleurs, mais aussi la couleur de superposition. Ouais. Il va falloir trouver le juste milieu, la bonne couleur, quoi. Mmh. Donc ce que je vais essayer de faire, mais ça sera dans une prochaine version, c'est créer 3-4 variantes. D'accord. Avec des mix de couleurs qui sont assez sympas. Même une où on va pouvoir mixer tout. Ouais. J'ai vu ça, c'est un truc aussi, j'ai vu ça chez Super U, donc supermarché. Ouais. Ils ont une marque, alors faut avoir des enfants, hein, mais pour les lingettes, les couches et tout ça comme ça, ils ont une marque interne et ils utilisent une police qui est un peu enfantine et qui utilise un peu comme ça des différentes couleurs en fonction des formes. Et je l'ai bien pris en photo pour me souvenir de comment ils ont géré pour là. Voir si je pourrais faire un peu de la même manière, quoi. Donc voilà en gros comment tout ça fonctionne.
Ouais. Donc Jean-Loup nous dit c'est fou ce que FontSelf a déjà fait depuis les derniers, depuis les. Alors les il dit les premières versions, ouais, c'est clair, c'est. Et ils travaillent vraiment d'arrache-pied. Moi, je sais qu'on travaille beaucoup ensemble depuis le début de l'année. Mmh. Et rien que depuis le début de l'année, ça. Il y a notamment, moi, comme j'avais des caractères qui étaient assez conséquents, ouais. bah, ça avait tendance un peu à mouliner D'accord. Et par moments sur les ils ont changements accéléré d'écran. le. Alors, juste avant la version 3.3, c'est vraiment. Ça a changé énormément, quoi. Donc. Ah, ils sont vraiment à fond et c'est vraiment un super produit. Hein. Moi personnellement, ne serait-ce que ces aides qu'on a sur les espacements et le crénage, pour parler français, ces aides sont vraiment très importantes. Ils permettent vraiment aux gens qui sont pas type designer De gérer de faire des polices assez facilement, quoi. Et c'est fun, quoi, je veux dire. Et pour 49 pour 49 euros, franchement, euros, par rapport au boulot qu'il y a à mettre dedans, quoi. Puis c'est quand on sait combien coûte un logiciel de création de police de caractère, bon, maintenant les prix baissent. Les prix ont baissé, puisque ça s'est démocratisé. C'est justement Glyph qui il y a, je sais pas, peut-être 10 ans, c'était plus de 1000 euros. Ouais, tout à Glyph fait. Est arrivé avec une version à 250. Donc du coup, ça a un peu changé la donne. Je pense que ça fait grincer les dents un petit peu. Ça a fait pas mal grincer les dents, ouais. Mais bon, c'est comme ça. Et bon, je pense que FontSelf fait aussi grincer des dents. Ah bah bien sûr. Et puis et après, enfin, comme je dis à chaque fois, tu fais pas forcément la même chose sur cette appli-là que sur d'autres. Complètement. Tu vois. Et ça, c'est la grosse discussion qu'on a eue ensemble au tout départ. C'est que moi, je leur ai donné un peu mon feedback en tant que graphiste, utilisant à la fois Glyph, donc un logiciel de création de police de caractère, et FontSelf, que pour moi, honnêtement, c'était pas la même utilisation. C'est-à-dire que ça s'adressait pas aux mêmes personnes. Et que FontSelf, tu peux apprendre par toi-même avec leur aide en ligne, parce qu'ils ont une super aide en ligne. Tu peux vraiment faire des choses déjà sympas. Quelque chose comme Glyph, même si c'est quand même démocratisé, faut vraiment une formation, quoi. Parce que rien qu'on parlait tout à l'heure de la manière de vectoriser. Mais tu te paumes, mais c'est. Parce qu'un angle est un type de point, et une courbe est un autre type de point. Ouais. Donc il faut vraiment anticiper le truc. Ouais, c'est... Moi, honnêtement, j'ai commencé tout seul, j'étais paumé, j'ai abandonné. Et quand j'ai vu qu'il y avait une super formation à côté de chez moi, je l'ai prise. J'ai appris énormément de choses. Après, le petit souci que moi j'ai par rapport à ce genre d'outils, c'est que. Ça reste assez conventionnel dans la manière de faire. C'est très technique. C'est très. Il y a un côté nerd un peu. Donc vraiment, faut aimer le côté technique. Il y a des trucs que j'aime bien. J'aime bien taper, faire de l'open type ou des choses comme ça. Ouais. Mais franchement, là, je me suis bien éclaté sur FontSelf. Donc, ouais, je recommande, franchement. N'hésitez pas et suivez un peu aussi ce qu'ils font. C'est vachement bien leur compte Instagram. Ouais, ils ont vraiment proposé des. Ça doit être super. Même pour l'inspiration, tu vois, de dire oh, ça c'est génial. On peut le faire, ouais. On peut le faire et maintenant on a les techniques pour pouvoir le faire et c'est vrai que c'est assez. Tout à fait. Ouais, donc Jean-Loup me dit merci pour la démo Diamond. Donc, vous avez vu, hein, juste deux secondes, j'ai tapé le mot Diamond. Comme j'avais tous les glyphes lettre par lettre, à la fin, il est capable de le mettre en automatique et de me le remplacer. Alors, je vous l'ai fait pendant qu'on discutait, comme ça, c'était transparent. Ouais, tout à fait. Bon, il est 12h20, c'est pour ça qu'il commence à faire bien chaud. Ouais, je t'aurais bien fait dessiner un petit peu sur l'iPad, mais je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais, on va pas. Très bien. C'est plutôt cool là, pour l'instant. Est-ce que vous avez encore des questions pour Francis pendant qu'il est avec nous, les uns, les autres, avant que l'on rende l'antenne, que l'on me rende l'antenne, histoire de clore la session. Est-ce que toi, il y a des choses que tu avais envie de partager aussi, des trucs ou que tu aurais jamais eu l'occasion de dire en interview, dans les workshops ou pas, hein, d'ailleurs, c'est le droit de me dire non, je sais pas trop là comme ça. Je pense que pour ceux que le lettrage intéresse, on a un peu parlé typographie sur la fin, enfin type design, mais je pense qu'on en parlait tout à l'heure par rapport au challenge, c'est important de pratiquer,
C'est moi j'ai aussi une relation avec Instagram qui est assez particulière parce que je connais beaucoup de monde qui commence le challenge et puis qui trouve que ce qu'ils font n'est pas top, donc ils l'arrêtent. Ouais. Je pense que se mettre un peu de pression à faire quelque chose tous les jours, à le poster même si c'est pas bien, et à progresser et voir le progrès, est quelque chose de très très formateur. Instagram a tendance un peu à... On poste les choses les plus... Les réussites. Les plus... Ouais, parce qu'on veut choper du like et du follower. Mais finalement, c'est important de... Ouais, de poster puis de le faire pour soi. De Ouais. penser à soi avant tout. De ne pas se fermer aussi avec... je vais faire des choses que les gens aiment bien. Genre, voilà, je poste un truc, ça a énormément de succès. Ah bah je vais Ah poster le bah, même demain voilà, je vais et le faire que même ça finalement. Et après-demain finalement, tu perds un peu de vue ce pourquoi t'aimes ça et ce pourquoi tu fais ça. Et ça vient même jusqu'à dire, bah, j'en ai ras-le-bol, ça me dégoûte, Et j'abandonne carrément quoi. l'abandon Et là-dessus. donc, moi, j'ai vu pas mal de monde abandonner les challenges, même avant que ça fasse trop long, parce que 100 jours c'est long, Cent qui jours, c'est quand abandonnent en même disant, vachement long, c'est bah, 3 mois et demi. ce que je poste c'est moche, donc bah, j'arrête. D'accord. Et finalement, je trouve ça un peu dommage parce que voilà, il faut garder un peu de distance par rapport aux réseaux sociaux de manière générale Ouais. et de travailler pour soi, essayer de pratiquer beaucoup et de progresser pour soi plutôt que d'essayer de plaire. Voilà, ça c'est un truc qui pour moi est assez important et que je me bats avec ma fille en ce moment pour essayer de lui montrer que. Ouais. Bah, elle a les générations TikTok, moi je suis pas prêt de me larguer. Très bien. Mais voilà, en gros. Bah écoute, je crois que ça peut être le mot de la fin. Qu'est-ce que t'en Exactement. penses? John Muir. The mountains are calling and we must go. Merci, Exactement. merci beaucoup. Merci Anthony. Vive la suppression des likes. Ouais, on n'a pas mis de like. D'ailleurs, C'est pas le but. sur Instagram, ça devrait arriver. C'est pas encore un. Ouais, je sais pas si Enfin, je c'est sais fait plus ou si pas. tu vas pouvoir liker, Ouais. mais normalement, on verra pas les likes qu'il y a sur toi. Tu peux voir tes propres likes, mais tu verras pas les likes des autres. D'accord, ah, c'est bien ça. Sur les autres. Ouais. Ouais, enfin, moi. Enfin, oui, enfin, oui. Moi, c'est je like pas en fonction du nombre de likes, tu vois. Je vais liker parce que j'aime bien. Donc, ouais. Ouais, non, bien sûr. Après, t'aimes bien et du coup, toi, ça te permet de Ouais. retrouver là où tu as apprécié. Ça, c'est assez Ouais, pratique. tout à fait, ouais. Est-ce qu'il y a un marché dans l'événementiel ou l'édition? Demande Tom Hotlick. Bah, un marché, c'est un grand mot. Dans l'édition, moi, je commence à faire des couvertures de livres. Dans les magazines, il y a de quoi faire des illustrations typographiques. Ouais. Mais c'est, enfin, ouais, on va dire qu'il peut y avoir un marché. Le problème aujourd'hui est de savoir qui est prêt à mettre. Il y a souvent ça, en fait, qui est prêt à mettre un budget. Ouais. On en parlait d'ailleurs il n'y a pas longtemps avec des amis et collègues. Le problème toujours est de démontrer que ce que peut apporter un lettrage par rapport à l'utilisation d'une police. Ouais. Et souvent, dans un titre de bouquin ou dans un magazine ou dans pas mal de choses, même dans un logo à la limite, il y aura pas mal de gens qui vont dire une police, ça fait le boulot. Ça fait le Et job suffisamment. un lettrage, ça va nous coûter quelque chose, quoi. Donc ici, il y a déjà, faut démontrer que le lettrage apporte vraiment un côté unique. Et il faut aussi savoir le chiffrer, parce que selon le client, bah, on ne peut pas taper une grosse maison d'édition comme quelqu'un qui vend son bouquin sur Kickstarter ou sur Ulule. On ne peut pas vendre le même prix. Et même dans les maisons d'édition, c'est même différent. Ça peut être différent d'une maison Ouais, à une d'une autre, maison quoi. à l'autre, ouais. Donc, ouais, Tony, d'où l'idée de vendre une identité globale. Il me taquine avec ça depuis un petit moment. On parle aussi en ce moment, bah, justement avec Tony et d'autres, de justement, moi, j'ai pas envie. Enfin, j'aime bien développer des identités un peu plus globales, mais à la limite, je préfère bosser en équipe avec des gens qui travaillent spécifiquement. Moi, je peux bosser sur le logo. Tony, par exemple, il peut bosser sur l'identité plus générale, la palette de couleurs et des choses comme ça. On avait fait un projet qui s'appelle Malamalu, où on avait bossé pour Adobe Stock d'ailleurs.
Finalement, c'est ce genre de projet. Bah, moi, j'avais fait police de caractère et le logo. Jean-Philippe Cabaroc avait bossé sur toute la partie illustration. Et Tony et Aurélien avaient bossé sur tout le côté web design. Et on a vraiment, en équipe, on a vraiment sorti quelque chose d'assez. C'était mon premier travail en police de caractère. Et on a vraiment sorti quelque chose de super parce qu'on l'a fait aussi parce qu'on l'a fait en équipe. Chacun avait sa spécificité et tout ça. Et Et puis on ça en vous vient. permettait d'échanger aussi les uns les autres. Voilà, et tu vois, c'est ce que ça donnait, ma première typo en fait. Cool. Et donc en fait, ce qui est intéressant sur ce genre de projet, c'est que on bosse ensemble, on voit les univers de chacun qui se réunissent, et moi je trouve ça sympa. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait faire, qu'on pourrait faire plus souvent en fait. Mais c'est toujours le problème, c'est souvent le graphiste va dire, ok, j'ai un projet d'identité. Le projet n'est pas forcément énorme. Et si j'en vends une partie pour le lettrage, Oui, il reste plus grand-chose, bah, voilà. des fois il reste plus grand-chose. Donc c'est un peu le souci. Il faut réussir à trouver les bons clients, les bonnes équipes et des choses comme ça, quoi. Et faire l'équilibre dessus, quoi. Ouais, complètement. Ok, et ben écoute, merci, merci beaucoup. Merci à tous dans le chat pour vos questions qui ont pu rythmer un petit peu tout ça. Moi, je suis assez pour, si certains d'entre vous se mettent au lettering, à pas hésiter à nous taguer, que ce soit Adobe France, que ce soit Francis ou moi, sur Insta ou sur Twitter, pour qu'on regarde un petit peu ce que vous avez fait par rapport à la session, histoire de voir que ça continue d'avancer et Ouais. que. Et s'il y en a qui ont des questions, faut pas hésiter à me contacter. Pour l'instant, pas forcément via. Je crois que j'ai même coupé la page de contact sur mon portfolio tellement j'avais du spam, quoi. Ah C'est ouais. censé filtrer WordPress, mais c'est la catastrophe. C'est la Donc fin de du coup, WordPress. je sais pas trop. Du coup, en ce moment, c'est principalement Twitter et Instagram. Voilà. Très bien. Très bien, très bien. Eh bien écoute, merci beaucoup, merci à tous, et à très bientôt. Au revoir. Merci, salut!